Ah, j'appelle qui? Gandalf peut-être? Il faut que je me trouve un allié déjà. Parce que le trio, c'est s'il y a Sam, Santana et Gandalf contre Kai, je vais me faire éclater les gars. Tu vois ce que je veux dire? Il me faut un. Oh lolo. Oh parfait. Oh l'allié de rêve. Oh l'allié de rêve. Oh faut qu'elle réponde. Putain merde. MDR 94. Il est où 94? Meilleur allié. Ouais, je suis loup, ça dépend de la. Ouais, bon, j'avoue, on s'est un peu écarté hier. Sam Sousse, Professeur Love. Et en fait, j'ai pas de potes, les gars. En ça, j'ai pas d'allié, en gros. La plus grande alliance devant même celle de Luffy. Ah, mais là, gros, c'est la D, hein. Il y a le reboot à 20h en même temps. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression, il y a personne, en fait, qui joue sur le serve avant 20h, j'ai remarqué. Je crois, hein. Ouais, je crois ça va déco, ça va aller faire. Je crois ça va déco, ça va aller faire du multi au pire, non? Putain, le bail, c'est que je vous aurais bien montré les vidéos Gmod, mais j'ai envie de vous le montrer pour le live 10h, tu vois. MDR, il commence déjà à avoir d'autres meufs. Non, on va quand même pas tacler Sam. Attends. Oh, attends. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc là. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc parce que moi, j'ai pas d'armes, moi. Moi, je suis tout seul. Je suis seul au monde. J'ai aucun moyen de riposte contre ces trois titans colossaux qui sont Sam, Santana et Gandalf. Comment je pourrais faire, tu vois? Il faut que je trouve un moyen de les contrer si jamais ils veulent faire quelque chose. Et peut-être que vu que moi, faut que je me serve de mes points forts. Et mes points forts, c'est ma beauté et mon art de la séduction. Oh, il y a quoi là-bas? C'est un tracteur, ça? Vas-y, je vais aller prendre le tracteur. Je crois qu'il y a les, je crois qu'il y a, généralement, il laisse les clés dessus. Non, ouais, je pense, je vais pécho la meuf de Sam. Ta beauté, t'es chauve. Putain, c'est vrai que je suis chauve. Fonction en tout premier avant de faire des gunfights, tu vois. Quoi? Mais BNF de ouf, gros, y a une primo. Y a une primo, les gars, wesh. Attends. Y a une primo ouverte, les gars, qu'est-ce que j'en fais? Oh, je suis flic, ça craint quand même, non? Oh, par contre, c'est trop chelou qu'il y ait une primo ici ouverte. Ça a l'air d'être un coin bresson ici. Hein. Benef, t'es keuf, Gamingo. Des flics au cas où, mais tranquille. Mais je la ramène à la fourrière, non? Qu'est-ce que je fais, ça? Qu'est-ce que je fais, les gars? Il y a une primo abandonnée. Un flic voit une voiture abandonnée, qu'est-ce qu'il fait? En vrai, il la ramène à la fourrière, non? Pour retrouver justement le propriétaire, le contacter via le panel de police et tout simplement lui dire que son véhicule est abandonné et a été retrouvé à tel endroit. Voilà ce qu'aurait fait un bon flic. Putain, quand je repense que Kyle échauffe, ça fait grave chier. C'est quoi Bon, ça? C'est tu un. es à droite là. C'est un taxi? Attends, excusez-moi. Non, c'est un BRM. Ah, oublie pas, t'as passé une semaine avant de le statut a changé, le statut a changé. Ouais, les gars, ça fait quoi? Ça vaut quoi? 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 Je vous dis, ça fait quoi? On est entre bro en primo et ça me dit ferme ta gueule. Les Aztecas, ils sont mal polis. Ah, ouais. Eh, ça dit quoi là? Ça dit quoi les sous? Ça baronne? Je veux dire quoi sous? Sous, ça veut dire mon pote. Pourquoi ils sont barrés? Sérieux moi les. Oh, ça dit quoi? Ah, t'as j'ai toujours préféré les maras! Ah, dealer. Voilà, bande de bolos! Attends, t'es pas un keuf toi? Ouais, je suis un keuf moi! T'es keuf toi? Ouais, je suis 54. Eh, vas-y, arrache ta mère! Quoi? Ah, j'ai toujours préféré les. Les al. Viens voir, viens voir. Les arabes! Oh bordel! Oh bordel de merde! Attends, ça frère, oh, ça va me tabasser là ou quoi? Eh, je le sens pas trop les mecs là! Je vais lui niquer ça. Qu'est-ce mon gros, on a un vrai plan. Et on a un plaf de fou pour toi. Les mecs, je le sens pas trop hein! Eh, vous allez me moulonner là! Eh, t'inquiète, non, eh mon grand, on a un plaf de fou pour toi. Non, vraiment, vraiment. Eh, les mecs, je suis flic, ok? Pas de choses de bizarre, sinon j'appelle du renfort. Descends de ta caisse, descends de ta caisse. Eh les mecs, arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh hey, descends, on va casser ton épêtement, descends. Vas-y, si, je t'attrape par le cou, descends, descends. C'est bon, tranquille, tranquille, pro, faites ça les mecs. Je sais pas, j'aime pas ta tête avec ma mère. J'aime pas ta tête, t'as des gains, tu crois, on est à Hawaï. Enlève ta casquette. Ma casquette, non, arrête. Arrête, s'il te plaît, passe-moi. Eh, tes lunettes, elles sont vraiment belles, file-les-moi. Tu vas me raqueter mes lunettes? Envoie-moi tes lunettes avant que je m'énerve. S'il te plaît, laisse-moi remettre ma casquette. Trop moche, l'aide ma mère.
Putain, vas-y, en fait, vous m'avez. Attends, mais hier, en fait... hier à la manif, je crois que je t'ai vu, tu m'as fait une bavure, c'est toi. Hein. À la manif. C'est toi, sale bâtard. Hein. Ouais. Non, mais à la manif, moi, c'est de la légitime défense. C'est toi qui m'a roulé dessus, je crois que c'est toi qui m'a roulé dessus. Ouais, bah, mais après, moi, tu sais, c'est les. C'est toi qui étais à la manif, eh. Sale bâtard. Eh, les toi, mecs, hein. Écoutez-moi, les mecs, tranquille, y'a pas de galère, ok. Y'a pas c'est de galère. À la manif, tiens. Oh, oh fuck. Oh putain, ma joue, mon crâne, tu m'as mis une gifle sur le crâne, ça a résonné. Toi, t'étais à la manif. Ouais, j'étais à la manif, mais j'assurais la sécurité, c'est pour ça que je vous ai mis des coups de matraque à tout le monde. Ah, il fait des oh là là, je vais chercher ma hache. Hein? Non, non, non. Putain, écoute, je te donne mes lunettes, tu me laisses me barrer, ok? S'il te plaît. Oh mec, tranquille, y'a pas de galère, ok? Y'a pas de galère. Montre-lui de quoi t'es capable, montre-lui. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, Mosquito, regarde comment je cours. Cours, cours. Incroyable. Écoute, je te donne mes lunettes, tu vas t'acheter des chaussures et tu me fais pas de mal, ok? Envoie-moi tes lunettes là. Tiens, tiens. Mais Ouais, une petite étiquette, ton blaze. Ça fait chier quand même. Hop. Envoie tes lunettes là. Lunettes 54. Les gars, je me fais racketter, bordel de merde. Putain, je me fais racketter. Faudrait que je fasse une story après. Faudrait que je fasse une story pour dire que je me suis fait racketter au niveau du parking. Hein? Elle vaut pas bien tes lunettes. Vas-y, bah fais une story avec nous si tu veux. Putain. Bon, vas-y, je vais faire une story. Vas-y, prends une photo avec tes agresseurs. Juste mets un masque. Vas-y, vas-y. Fiché, sérieux. Après, je te tabasse et après, vas-y, tranquille. Salut, Messou, c'est Kyle, comment allez-vous? Moi, ça va pas très bien, je suis en compagnie de mes deux agresseurs. J'étais tranquillement en train de me balader, je me suis arrêté au feu rouge et puis ils m'ont pété à mes lunettes. C'est mes lunettes hawaïennes. Ils étaient munis d'une hache, comme on peut le voir derrière. Je suis grave dégoûté. C'est pour ça que désormais, j'ai arrêté de prendre le métro et franchement, franchement c'est terminé quoi. Tu parles de métro, t'étais en côté. Ouais bah en vrai j'étais en... Tu t'es arrêté au feu rouge. Ouais j'étais en coché, j'étais en coché. Voilà du coup stop, stop au vol, stop aux harceleurs, stop au... Elle nique tout le monde, nique tout le monde. Voilà, merci, au revoir. Eh Soucré, Soucré, nique ta mère, c'est bon. Voilà, voilà Soucré. Soucré. C'est bon, j'ai coupé la story. Ah putain. Là tu continues là mon grand. Ouais je sais, je sais. Ok. Eh, sortez, sortez, va prendre ma batte, s'il te plaît. Quoi? Ah mais ça y est, ça y est, ça y est, y'a pas besoin de... Tape-moi, il court, chien, vite, vite, vite. Quoi? Ouais. Tape-moi. Tiens, mon gros, tiens. Putain, mais... Putain. Sors ta boîte, Mosquito. Il a parapluie. Eh, mec. Bonne batte. Eh, mec. Tiens. Oh, vite. Merde! Hache sous la gorge, hache sous la gorge! Descends. Oh putain, fais chier! Descends. Ah oh, merde! Il a tapé à Condente quand même. Oh putain, fais chier! Ah, là, oh non, mais. Faire... Oh. Ça commence par là. Corps, j'ai besoin de réfléchir. On est où le corps? L'enterre. Les mecs, faut que je rentre chez moi dans moins de 5 minutes, vite! Ah, tu vas réfléchir. Ouais, non, l'enterre, vite! Si vous pouvez me tabasser rapidement, s'il vous plaît, ça m'arrangerait! Ah putain! Ah! Ah, fais chier, putain! Est-ce que t'arrives de chez toi en moins de 4 minutes, au moins de 1 minute? Non, la c'est... La vérité. Non, c'est... Non, en vrai, c'est chaud, j'habite dans le Nord. Il va au poste, gros, il s'en cuff, il a dit. On va le garder 3 minutes, on va le garder 3 minutes. Bah, écoute... Je mets un compteur. Écoutez, Balance-nous une info. Ok, j'aurai peut-être du taf pour vous, les mecs, ce soir. Vas-y. Du taf, moi, je suis un indie, Non, mais je peux vous rémunérer. En fait, je vous explique, c'est une longue histoire, mais il faut que vous restez dans la confidentialité. Ok ou pas? C'est vraiment un... C'est vraiment un petit service entre potes, ok? Je vous explique. Là actuellement, parce que y a Paco ou pas, elle là? Parce que je m'entends bien moi avec quelques marats. Y a Paco. Paco. Si, mais c'est moi, on avait joué un de toi. Ouais. En fait, je vous explique. J'ai mes trois meilleurs potes, Sam, Santana et Gandolf. Je me suis disputé avec eux. Je me suis disputé avec eux parce qu'en gros, je les ai abandonnés pour une meuf. C'est pas Dooms. Tu l'as baisé ou pas? Tu l'as baisé ou pas? Non, même pas. J'ai même pas fait la bise. Raté mon grand, raté. Non, Dooms, lui, c'est mon quatrième autre pote, mais lui, il est pas trop dans l'histoire, lui. C'est plus mes meilleurs potes Sam, Santana en fait, parce que de base on a un trio et il y a aussi Gandolf. Le problème c'est qu'ils sont trois et moi je suis tout seul, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a peut-être moyen qu'à un moment ils me tombent dessus, tu vois. Oh la vie de ma mère, on est chaud, on vient t'aider. Et, y a moins... et ça serait bien justement que j'ai des cartes en main, tu vois. Et que ma carte maîtresse, ça soit Paco et son ami le chauve à ma gauche. Paco, c'est pas Paco en face de toi. Ah bah j'ai qui là? J'ai qui? Pourquoi il prend des petits pour faire ça? Oh, il y a deux grands et tu demandes des petits. Ah, bah vas-y. Bah, moi je me dis qu'en vrai, je pense qu'ils s'attendent pas à ce que j'ai des contacts, tu vois. Eux pour eux, je suis un petit bolos. Ça veut dire, je suis prêt à mettre la rémunération, tu vois, je suis prêt à te rajouter un billet sur ton bandana.
si vous venez m'aider si jamais c'est la merde. Vas-y, bah, donne-moi ton numéro et tu m'envoies un message. Bon, après, pas besoin de leur faire du mal, hein. Juste voilà, si jamais ils pensent. Les effrayer ? Voilà, juste leur faire peur, leur montrer que j'ai plus d'un tour. Ça va en vrai. Non, 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 non. Juste leur montrer que je ne suis pas seul et que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et si c'est possible, au pire. Si c'est possible aussi, vous pourrez m'appeler patron ou pas ? Ah, tu veux pas que je suce aussi ? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, y'a rien, y'a rien. Juste c'était pour faire les mecs devant eux, tu connais. Vas-y, t'envoies le numéro, mon grand là. 50 40 77. Attends, je te donne mon numéro plutôt. Ah, ok, vas-y, je vais mettre contact. Je vais vous appeler As de pique, ok. Moi c'est Suerte. Ok, Suerte, attends, bah la moula del burro. Vas-y, moi c'est 139 550. 139 550. 550. Ok, Suerte, c'est enregistré. Et toi, c'est le moustique. Un message. C'est moustique, je t'envoie un message. Ok. Vas-y, patron. Y'a du quoi ce bâtard. Moi, les mecs, vous pouvez m'appeler Kyle ou patron si jamais devant les mecs. Devant les autres. Devant les autres. Et je vous jure, vous m'appelez patron ou Don. Et... Tu payes. Hein ? Bah ouais, je paye moi. Là, tu payes combien si je t'appelle boss ? Hein ? Pour combien ? Je te dis, si tu dis patron, je peux prendre ta poche. Tu payes combien ? Franchement, attends, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir les comptes. Mais écoute, je vous explique, si vous me rendez ce service, moi je vous rendrai un service plus tard. C'est-à-dire que si je vous arrête ou quoi, eh, vous pouvez être sûr que je vais être plus clément avec vous, c'est sûr et certain. Si tu m'arrêtes, j'ai un Uzi sur moi, on fait comment ? Bon, après, je suis pas un pourri, tu vois, mais disons que je vais être plus clément, attends, ouais. Je t'attrape par le gars de la chemise, toi t'es un ripou, toi. T'es un ripou, c'est ça, ce que tu m'as dit. Non, non, mais non, je suis encore cadet. Ripou, toi. Je suis qu'un cadet encore. T'es sûr que t'es pas un ripou, toi ? Non, non, enfin, pas encore. Enfin, non. Non, je veux pas, moi. Vas-y, ils servent à rien, les keufs, ici. Écoute, regarde, ce qu'on va faire. On va tous être comme ça, sa mère. Tu vas parler entre nous. Après, je vais dire patron et je vais 45 milliards de dollars. Pour ça. C'est bon. Attends, mais. Non, non, mais pas besoin de vous mettre. Pour toi, regarde. Mais non, mais pas besoin de vous montrer vos fesses ou de vous mettre à genoux, les mecs. Juste quand. Okay. Quand... Oh, sa mère, oh là là. Bon, oh, vas-y, bon, vas-y, on en parlera plus tard, ok. Comme ça. Aussi, non, juste. Oh là là, ça va être incroyable. À tout à l'heure, le moustique. Oh, les gars, ça va être la meilleure guerre de l'humanité, les gars. Fini les guerres de trio, c'était que des disputes de merde, pas intéressantes. Sachant que je suis sûr que Santana a aussi un tour. Oh mais c'est trop. Mais... Putain. Oh, pour ça lui. Hein. Fais chier. Vite, ça va reboot. Vite. Vite. Vite, ça va reboot, vite. Oh les gars, là j'ai des vrais contacts, ça va être une vraie guérilla aujourd'hui, les gars. Oh là, j'ai trop hâte. Ok, let's go. Bam. Et faut pas le dire, les gars, aux autres, hein. Commencez pas à leur dire qu'on a des contacts. Putain, je suis trop fort, ça. Là, les contacts. Non, par contre, vous me notez, c'est rien qu'il fait. Ah oui, bah. Bah c'est pas. Ah, bah c'est pas celui qu'on voit une fois par mois. Ça va, Hopkins ? Est-ce qu'il veut la bière ? 20. Oh, bah c'est pas le plus débile du LSPD, quand on leave Lindelof. Juste pour la main, tu sais, qu'est-ce qu'il veut, Barthez ? Tu sais quoi ? Moi, être chauve, ça te rajoute au moins une couille, tu vois, parce que t'en avais pas avant. Mais tu sais, juste pour la vanne, tu passes comme ça. Juste pour la vanne. Oh le bâtard. Oh le bâtard. La guerre froide est déclarée. Oh le bâtard. La guerre froide, mon gars. Ouais, quand ça va appeler les maras, FPVS. Miskin, t'es seul. Non, je suis pas seul. Ah non, les gars. Ah non, Kyle n'est jamais seul, les gars. Ça va mal finir cette histoire. Du coup, c'est mort. Kyle n'est jamais seul. Suceur. Bao. Bon, du coup, alors, en KD, on a à gauche là-bas, là, à ma gauche, c'est. 57, non ? 54, le chauve. Ouais, 54, le chauve. Qui ressemble à rien. Oh, culotté. 91 en plus en KD. Le brun, c'est Sam, non ? J'arrive, et moi. C'est ça. MDR, va dormir, c'est mieux, t'attends 4 jours, au moins t'auras 64. 36, et le blond, 47. Avec la barbe. 47. 64 dans 2 jours, je sais oublier, frère. 64 dans 2 jours, je la trompe. Non, on plaisante, on rigole. On ne cautionne pas la tromperie, même dans un jeu. Du coup, ben regarde. Ben pour la blague. Hein. Pour la blague. 82, tu pars avec 47 et 91. 47 et 91. 54. Tu pars avec 94. Attends, ils ont pas mis à jour l'interface encore. 36 et 14. Attends! C'est pas vrai, je vais partir avec Sam. 91, 82.
Ah, je reconnais ça. Je suis avec ouais, Sam, les gars, je crois. Oh, je suis avec Sam. Oh, le bordel. Tu te rends pour une drafter ? Ensuite ? Ensuite. Oublie pas, t'es avec une fille, Agnès va tout dire. Oublie pas que là, si j'ai une petite discussion avec le capitaine, tu serais mal barré pour ta situation. Oui, ça va changer. N'oublie pas que si j'ai une petite discussion avec le capitaine aussi, tu serais mal barré pour ton avenir. Ouais, de tremper la biscotte. Si il savait qu'est-ce que t'es en train de faire actuellement. Allez-y, la 47, on peut attendre 82 d'or. Et 54 avec 72. 72 ? Ah, je me suis. C'est l'ex du capitaine, elle. On est que nous deux ou il y a un troisième dans la patrouille ? Non, vous êtes en Adam. Ok, ok. 72, 54 ? C'est ça, avance, allez. Non, mais je disais pour le dispatch. Ah, non, mais t'inquiète, elle est en bon. Bon, ben, let's go, les gars, on est avec une meuf. Bénef, hein. Salut, loser. Ah, les patrouillants entre couilles, moi je vous laisse, j'ai pas le temps. Je vais avoir tu une parles de patrouiller entre couilles, sauf que t'es une couille. Bon, loser. C'est pas cool ça, 72. Je vais chercher mon équipement, j'arrive. Ok, hop là. Ok, attache ta ceinture, c'est moi qui. C'est moi qui prends les devants. Baisse ta culotte, oui, c'est moi qui pilote. Oula, non, ça non. Non, mais c'est une expression. Hein. D'accord. C'est une expression, c'est pas. Moi, ouais. comme je t'ai dit, c'est, j'ai énormément de respect pour le capitaine. Pour le commandant, maintenant même. Pourquoi t'as du respect pour lui ? Bah, le fait que toi tu sois son ex, et bah, jamais de la vie, j'oserais te manquer de respect ou tu vois bon, ce que je veux dire. Il m'a manqué de respect, donc bon. Est-ce que t'as des. Mais... Est-ce que toi, tu t'es dit un jour, il faudrait que je tourne la page ? Ah, mais elle est tournée la page. Ah ouais ? Bah ouais. Tu t'es reconstruit depuis ? Oui. Ah ouais? Ouais. T'es HDV combien maintenant? Sur Clash of Clans? Puisque tu t'es reconstruit. T'as les paliers, t'as mis les remparts à combien? Ils sont en level combien tes remparts? Là c'est level 10. Level 10? Non, en vrai t'as joué à Clash of Clans ou quoi? J'ai joué, ouais. Et t'étais hôtel de ville combien? Ah, je sais pas. Sérieux, moi j'étais HDV9 maxé moi. Rempart full, arc X full. D'ailleurs j'ai rush le master, j'avais 3000 hein. J'ai rush le master, oui. J'étais dans un clan bon, il y avait beaucoup de maghrébins dans le clan hein. Ils me disaient que Dieu protège ton village etc quoi, on allait dormir. C'était très bah, après j'aimais bien quoi, c'était très bon esprit, très familial quoi. Ah, avec l'excédité derrière. Ouais, on va le prendre, fou. Bien vu. Okay. Là, je pense qu'il est déjà rentré chez lui, hein. Tu vas voir ce que tu vas voir. LSPD. Move. LSPD. LSPD. On l'a perdu. Ouais. Ok, code 2, code faux. Une primo. On prend la primo. Vas-y. Ok, tu peux annoncer. Oh merde, excuse le mégaphone. Combien de mètres? Dis-moi, j'ai une question, tu penses quoi de... Parce qu'en fait, j'ai eu écho comme quoi tu t'entendais pas très bien avec tout le monde, toi, au PDP. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu t'entends pas très bien? Bon, en fait, je crois les gars 64 et 72... Je t'entendais pas avec certaines personnes, mais ces personnes ne sont plus au LSPD. Ah ouais? Et là, tous ceux qui sont à LSPD, tu t'entends bien avec eux? À part 94, des fois je me dispute avec lui. Ouais, mais bon, 94, c'est 94, et... quoi, il est pas méchant. Voilà. Après, non. Ah ouais, et les meufs, tu les aimes toutes? Ça va. Léna, c'est ma pote. 82, ça va. Et 21, ça va. Oh putain, elle a pas, même pas parlé 64. Pourquoi? Ah ouais. Bah non, comme ça, mais attends, y a qui déjà comme meuf au LSPD? Ah, il y a 06 aussi. Donc ça va. Putain, mais ils. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y avait les collègues juste avant. Et alors? Bah, ça veut dire ils nous ont pris l'inter, je crois. Non, mais t'inquiète. C'est pas grave, on y va avec eux. Passe par le. Bah non, mais justement, c'était ici l'appel. Ah, c'était là? Ah ouais, c'était là, mais ils étaient déjà dessus. Ah bah... Tant pis. Attends, c'est qui ou quoi la voiture? Ah. Hey, 40, la prime, vous avez vu, elle est partie à droite ou à gauche? Oh! LSPD, oh! Putain, mais ils font quoi là, les collègues? La prime qui est partie. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah, les gars! Les collègues! Quoi, ouais. Cette patrouille même? Quoi? C'est quoi cette patrouille de fou?
C'est la moi aussi, c'est je, faire, je veux rentrer dedans. Ouais, de 14. Bah, bah, c'est sympa pour ça. C'est sympa pour ça. C'est sympa pour 54. Vas-y. Ouais, ouais, bah, 54. Tu veux que les gradins qui peuvent passer le PPR, c'est ça? Putain, laisse-nous. Mais ils sont que 2. 19. Ah, si, ils sont 3. J'ai un. Un LHZ qui demande un gradé pour passer le PLH. Écoute, nous on va bosser 72 ans, même si je sais que ça te fait pas plaisir d'être avec moi, bah... Non, t'inquiète. Ouais, les collègues. Imaginez que vous devez patrouiller avec quelqu'un qui préfère être dans une autre patrouille, c'est super vexant. Non, mais on comprend tout à fait, mais fais attention. Ok. Faut vraiment choper des gens, parce que quand il y a des supérettes, t'as l'appel ceux qui font des supérettes, donc tu le... Ok, vas-y, je m'en occupe. Je m'en occupe, les collègues. Mais je suis pas sur mon téléphone. Eh, tu veux que je te dise un truc, 72? Même moi j'aimerais bien être avec derrière, ceux d'à gauche. Derrière. Voilà. Ah bah salut. Bonjour monsieur. Ils sont où? Qui? Bah, je sais pas, il a dit derrière. Ah mais il parle de la primo, ils vont l'arrêter. Ouais, du coup c'est sympa ce que t'as dit là. Mais non mais c'est parce que eux... Ouais ouais non mais t'inquiète, 40, pas grave. Il est jamais là en fait. Ouais ouais non mais ouais je vois. Mais t'inquiète, pas grave, y'aura. Tu sais, moi je prends pas mal les choses hein. Mais ça va. Oh d'ailleurs en parlant de ça, tu connais 64? Oui. Tu la connais bien? Ok les gars, on y vient. Bah, elle a vécu chez moi, donc oui. Ah ouais, comment ça? Ok les gars. C'est la nièce de Riggs. Ouais, c'est Askip, on me l'a dit, ouais, c'était la nièce du commandant. C'est toujours sa nièce. Oh, franchement, faut pas. Franchement, force à celui qui s'approche d'elle, hein, oh putain. Pourquoi? Bah parce que la nièce du commandant, t'imagines? Alors? T'imagines la nièce du commandant, elle a un mec, elle est pas dans la merde. Il est pas dans la merde, son mec. Adam 14, elle fait 10, sa 41. Vie, elle, hein. T'as dit quoi? Elle fait sa vie, elle, hein. Ah ouais? Elle a un mec et tout, oui. Tu penses? Je sais qu'elle est... Comment dire? Qu'elle... Qu'elle... Comment dire? Qu'elle vadrouille, on va dire. Qu'elle va quoi? Un gerlo chien qui a son drogue, game dispatcher. Ah, vadrouille. 82. 82. Smo. Smo, ouais, vadrouille, c'est un mode à droite à gauche, quoi. Je suis anti. Voilà. Ouais, je vois. 10-4. 0,5. Je sais qu'elle était proche de 45, puis après elle a été proche de 42, oulou. Puis de Ben Barek, puis de 31 oulou. Avant. Oh. Bonne personne. Oula, oh putain. Elle s'appelle mes chéris, mon bébé. Oula. Bon, je sais pas. Hein. Ah, c'est un peu facile quoi, ça veut dire. J'ai l'impression après. Ouais, je vois. Je sais pas avec qui elle est vraiment. Hein. Il est au courant le commandant? Tanga 88 de centrale. Il la voit comment elle parle en salle de dispatch quoi. Parce que en salle de dispatch. Tango 88 de centrale. Oh t'es là mon bébé, tu m'as manqué. Ah ouais, au dispatch. Alors, je vais faire ce qu'on en 10, 18 et ouais, je t'équipe, ouais, génial, Adam, merci pour le 13e mois. Une Adam constituée de 0,5 et 88 et une Adam constituée de 20 et 40, s'il vous plaît. 10-4. 10-4. Bah tu vas arrêter personne. 77 confirmé, 92-77. Bah tant mieux alors, fais ta balade de 19. Adam 77 confirmé, 77-92. Avancez, avancez. Bah, allez, avancez, ouais. circulez. Le code 5 arrive dans combien de temps? Un stop. 54 à la dame. Code 5. 54 à la dame qui est devant à la suite du à la poursuite de la Buffalo violée. Besoin d'unité de renfort. 4. On est derrière vous du coup. Oh, let's go. Ok, c'est oh là parti là, boy, là. Accroche ta ceinture. Contre... Il va se prendre un véhicule. Ah, non, t'inquiète même pas. Là, t'es avec le meilleur pilote. Aucune course poursuite perdue depuis. Depuis ma prise de service. T'as vu, c'est sûr. Oh putain, ça va aller les collègues. Oh, pff, je lui ai arraché le pare-buff. Désolé les collègues, désolé. Oh là là. Oh, je suis arrivé un peu vite, j'ai eu du mal à ralentir. T'inquiète. Ok les gars, faut que je focus. Faut que je focus là, sérieux. J'ai failli arracher les collègues. Ok, il faut essayer d'anticiper hein, ce qu'il va faire. Mm-hmm. Dis-leur s'il veut reprendre le lead. Hein. Prenez le lead comme vous voulez. S'ils veulent reprendre le lead, moi je reste derrière, j'essaie d'anticiper. Allez les gars, petite prédit. Ok, prenez le lead, je suis derrière, j'anticipe. Oui. Mais pourquoi il se freine? C'est vrai qu'il m'a doublé, d'un coup il a freiné devant moi. 41, secteur 01. Heureusement que j'ai des bons freins. Hein. De 72. Transmettez. Qui conduit s'il vous plaît? 36. 4. Oh là là, mais putain, waouh.
T'inquiète, t'inquiète, 72, accroche-toi bien, ça va le faire. Non, toi, je te fais confiance, hein. Mais la voiture devant, donc. 82 de 37. Bon, je suis commandé pas aussi bien que le commandant, cet homme magnifique, là. Avec du charisme impressionnant. Cet homme magnifique. Et si je serais une gonzesse, je serais clairement avec, actuellement. Mais je me démerde pas mal aussi. Oh là là. Surtout si je serais son ex et que j'aurais eu la chance, justement, de déjà conquérir son cœur. D'avoir déjà eu une place dans son cœur. Tu veux savoir un truc? Ouais, dis-moi. Il me hait. Comment ça, il te hait? 77, 19, 10, 60. Non, je pense pas, moi. Tu sais quoi? Tu verras. Demande-lui ce que tu veux, tu verras ce qu'il va te dire. J'ai une question. Toi, tu fais passer les potes ou les meufs avant? C'est une petite question comme ça. Parce que là, en fait, je suis un peu à froid avec mes meilleurs potes. Genre, par exemple, t'as deux meilleurs amis, ok? Mais tu dois aller voir une gonzesse et tu sens que c'est la bonne, la gonzesse, tu vois, tu sens qu'il peut avoir un truc. Ouais. Est-ce que tu vas voir la gonzesse au dépit de tes meilleurs amis, sachant que t'es tout le temps avec tes meilleurs amis, hein, et que je l'ai jamais fait, ça faisait un an. C'est la première fois que je laisse mes meilleurs amis pour aller voir une gonzesse. Ok, oui. Et je l'ai fait et en fait ça s'est pas très bien passé. Est-ce que toi tu comprendrais? Parce qu'en fait, en soi, je vais te faire une confidence. Oh, oh. Code rouge à la casse, s'il vous plaît, on a le. Fin 10-20. Recule. Fin 10-20. Deux agents qui se font prendre en otage. Voilà, dinguerie, gros. Mais. 10-4, faites un 10-20. Dernier 10-20. La casse, oui. La casse en bas de Forum Drive, toutes les unités demandées, il y a beaucoup d'individus armés. Va en face sur le trottoir. 10-4, on arrive. Mais ils font quoi là? Ils cassent les couilles. Oh, j'espère que c'est vraiment pas un 10-60. À toutes les ADEM disponibles, lâchez ce que vous avez fait, que ce que vous faites et allez sur le 10-80. Voilà, dinguerie, c'est incroyable les gars. Ils ont bien préparé ça, le plan. Je comprends vraiment pas pourquoi ils les prennent en otage. Hein. Merci Ouriglul pour le Prime. Merci mon gars. Premier mois, ça fait plaisir. Merci mon ref. J'ai les pare-balles, monsieur. Vin, je déploie le Henri avec 30. 4, allez-y. Je vais voir s'ils veulent. Mise en place d'un périmètre de sécurité. T'es mal. 54, je vous propose d'aller voir les individus, vous allez sûrement leur faire de la peine, ils vont les relâcher. Tu connard, va. Pourquoi on prend en otage des agents? C'est qu'on a peut-être des choses à reprocher, t'as des drôles de questions, toi, pour une négociatrice, ouais, y'a pas quelqu'un d'autre. C'est pas ça, c'est que c'est parti seulement d'élite fuite, c'est tout. Allô. C'est recette de 72. 4. On a deux agents pris en otage. Bonjour monsieur. La casse. Elle est speedy. Tout va bien se passer, d'accord? Notre objectif, c'est que tout se passe pour le mieux et que nos agents soient libérés, d'accord? 4. Du coup, je vous écoute. Portail 88. Ouais. Bah écoute, j'ai déployé Henri avec 30 tes agents. Je suis avec 0,6 de poste. On va te rendre tes agents. Oui, d'accord. Laisse-nous 2 minutes. 40, j'arrive à te chercher. Bah, je suis avec lui. Ils sont en bonne santé, tu veux les voir? Eh, venez, je les vois, je les vois. C'est bon, on les voit, messieurs, on les voit. 72 de 20, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Messieurs, avez-vous d'autres revendications? 10-45 ou 10-60, je sais pas. Les deux, hein. Pas de revendications. Très bien. Ouais. La casse au niveau de la maison Karen, d'accord. 10-4. Les agents pris en otage sont actuellement à Dame 14, c'est bien ça? 10-4. Faites attention avec l'Henri, je veux pas qu'il vous voie, d'accord? Il y a Sam qui est pris en otage. Ils veulent rien. Et ils veulent juste qu'on les laisse partir. Faut arrêter de psychoter avec le Henri. Oui, Henri, c'est une unité comme une autre. Exactement. Si jamais il n'y a pas d'armes ou quoi que ce soit. Tirez les contre-là, s'il vous plaît. Les gars, je vais monter dans la voiture. Il n'y a aucune arme des individus ou quoi que ce soit. Récupérez les agents. Dès que vous pouvez, prenez les individus dans les 70. Ils sont armés, hein, d'armes à feu. Oh là 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 là. Si jamais les individus prennent les agents. Il a perdu la course, deux collègues. Non, j'ai pas perdu, les gars. Vous avez mis quoi, les modos? Ne vous inquiétez pas. Illumine la course poursuite. Ah merci. Normalement, pour l'instant, il y a une buffalo. Là, du coup, on va refaire une prédit pour voir si j'arrive à arrêter quelqu'un. Négociateur, s'il vous plaît. Arrive. Avec vous, 07. Oui, ok. Il a un pétoir. Bon. Oui, dites-moi. Vu le déploiement de forces de l'ordre que vous avez. Merci pour la rapidité. Actuellement, une prise d'otage. Nous allons vous rendre déjà un premier otage, d'accord? Contre la remise de ce premier otage, nous souhaiterions que l'hélicoptère qui est au-dessus s'en aille et la moitié des forces de l'ordre s'y présente face de même. D'accord, le deuxième otage. Pas d'hélico. Voilà.
Faites déjà ça, évacuez la moitié de vos véhicules. Faites un retour comico ou un retour à un bâtiment. Retire la moitié de nos véhicules. Exactement ça, vous pouvez dire qu'ils ont des agents pris dans le cas que les hélicoptères vont rester. Non, 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 c'est pas possible. Ils ne veulent pas l'hélicoptère. Non, non, monsieur. Écoutez, écoutez, je m'en occupe. À partir de maintenant, l'hélicoptère, il va partir. Il est parti. Les unités, elles vont rester ici. Bon, on peut pas enlever des unités. Vous êtes actuellement de braquer deux. Mais pourquoi on les cache pas, gros? Vraiment qu'on va les partir. Eh, c'est quoi, trois unités ici? Je suis sur le point de mourir, bien sûr. 54 au négociateur. Si jamais on peut aller dissimuler des véhicules derrière. Pourquoi on les cache pas, les véhicules? Merci Aurigul pour l'abonnement offert à Gizmo, merci mon gars. Merci beaucoup. Dans les égouts, vous trouverez votre collègue mort, bien évidemment. Yo mon ref, bah, bienvenue à toi mon ref. Merci pour l'abonnement et l'abonnement offert. Comme d'habitude, là, c'est pas un braquage de banque mon gars. Ce qu'on veut, c'est sauver nos biches. Écoutez, c'est pas mon premier bras, c'est pas ma première prise d'otage. C'est pas ma première prise d'otage. Vous allez. Je t'ai dit, elle avait pas de braquage de porc, mon gars. C'est parti, vous donnez un 260 ou un 245, j'ai pas plus. Messieurs, s'il vous plaît, tranquille. Je peux parler ou pas? C'est n'importe quoi. Il a pas compris que je suis député, que je suis prêt à tout. Écoute-moi bien. Non. Écoutez-moi. Putain, ça de l'en vivant, c'est posé sur un bâtiment un peu plat. Monsieur, ça, moi, je vous annoncera le départ. Je suis déterminé. Monsieur, écoutez-moi. Écoute, maintenant c'est toi qui m'écoutes. J'écoute ta sérénade depuis tout à l'heure. Maintenant tu m'écoutes 2 minutes, ok? Si jamais votre putain d'hélicoptère ou un minimum de véhicules ne recule pas, je vais buter, j'aurai aucun scrupule de prendre 20 ans pour mener une brouille. Il y a une guerre de gang qui sévit en ce moment. Vous êtes en plein milieu de territoire. Je vais le buter. Monsieur, vous avez demandé du coup la moitié d'une unité qui bouge. D'accord. Vous avez demandé l'hélicoptère, ça a été fait. D'accord. On peut enlever. Je peux déjà me détendre. Monsieur, lâchez-le. Parfait, déjà c'est déjà mieux. C'est trop stylé les animaux. On peut enlever 2 véhicules, ça vous va ou pas? Ça me va. Jump au début. Y a 2 unités qui partent côté est de la position là, sortie de l'autre côté, au cas où ça part de l'autre côté. Ça marche, Adam 88, on y va. 4. Et ils ont demandé à faire partir les véhicules, donc essayez de vous dissimuler, de rester caché pour pas qu'ils vous voient. 82, vous êtes avec qui? Le tango. Tu peux le dire plus fort, Discaf, ouais, parti, Oh merde. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons, putain, sur les collègues. Oh, je suis désolé, lieutenant, je n'ai pas remarqué que je criais. Bon. Oh, c'est pas possible, j'étais en crié. Oh, le trou, je suis. Oh, le trou de balle. Oh, mais non. Oh, mais c'est catastrophique. Moi, la madame partenaire ici 40 à gauche, qu'on va vous suivre avec la félone. Putain. J'irai que moi, lui, de toute façon. Putain, mais quel trolleur. On va partir loin, si vous voulez. Ouais, dites-moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez là? Est-ce que c'est la fusillade que vous cherchez? Putain, quand je passe mes... Parce que moi, j'ai une réelle question pour vous. Quand je passe ma main dans mes cheveux, les gars, j'ai plus de cheveux, je suis trop le seum, IRL. Pour une vente de drogue... Ouais, je sais que ça a pas de rapport, les gars. Bref, on focus. Déjà, premièrement, il y a 5 minutes, vous parlez d'un sable d'édit de fuite, là maintenant, vous parlez d'une vente de drogue, madame. On était derrière eux, on était derrière pour ça. Bref, la question n'est pas là, nous en sommes plus là, je crois. La question, si, elle est là, hein. Moi, je suis seum. Si c'est une fusillade que vous souhaitez. La vérité, écoutez, je pense que autant vous que nous ne souhaitons pas ça. Vraiment, tout ce que nous faisons souhaitons, en sorte que ça se passe bien jusqu'à la fin. C'est récupérer nos deux agents là. Oui. Et puis voilà. Vous pouvez pas le faire de mal. Nous, ce qu'on veut, c'est s'en sortir. À toutes les Adam, on a une primo et un mutualo à l'arrière de la casse. C'est bon, Sam, il s'en est sorti, les gars. Sam, il s'en est sorti, je vais aller voir Sam. Maintenant, tu fais ça. Paniqué, j'ai vu ma vie défiler. Et respire. Mais le problème, c'est que j'ai rien vu. C'est ça le problème, c'est que j'ai vu ma vie défiler. À part ma personne, je veux tous les excuseurs, s'il vous plaît, vous allez à un périmètre de sécurité de 1000. Ça va aller, agent 36. Ou c'est peut-être que j'ai pensé à mon meilleur ami quand j'ai vu ma vie défiler, mais même pas. Il est même pas apparu. Les gars, on a vu. Bâtard, va. Sale bâtard. 36 va avec. Wesh. Putain, ma touche elles sont buggées les gars. Qu'est-ce qu'il fait le golemon? écoute-moi bien là. Monsieur les médics, si vous pouvez prendre en charge cet agent, il a été pris en otage. Mais bon, je pense que ça ira pour le trauma. Ouais, ça ira, c'était juste, voilà, il n'y a pas eu de dégâts physiques ou mental.
Enfin, parce qu'il est déjà un peu mentalement, voilà. Quoi? Il va rester avec ma felonne. Moi et mon agent comme qui ça, à ma gauche. Bien, là. Comme ça, c'est bien, le boy, c'est tout. Et je vois encore une voiture à ce sujet. C'est bon. C'est normal. Normal. Encore une fois, c'est parce que ça a été des noms directs. Sur les 6K sur Discord. Vamos. On va faire un gros raid. De votre agent, là. Si on va faire un gros raid après la scène. Au départ, que de nous dire on va fêter ça, les gars. Franc et massif au début, ça se serait peut-être mais on vous a dit que les Lico, ils partaient. On fait juste la scène après, on fait le plus gros raid de l'histoire du Discord. C'était fait, y'a pas de blessé, c'est déjà bon. Ce qui est fait, de toute façon. Sur ce, on va procéder comme on a dit. Vous allez prendre l'argent avec vous, et après, je vais récupérer. Avec ma felon à moi, puis voilà. Écoutez, vous voyez la maison, vous allez le récupérer là-bas. On va monter dans les voitures et vous allez le récupérer à la maison. Y'a pas de soucis, là c'est parti. Les individus vont partir direction Maisbank. Vite. Ils vont lâcher un agent au niveau de la Maisbank. Ils font leur. Ça va, Pins, monte. Agent 36, montez dans le véhicule. On a pas récupéré 14, c'est bien pris. Une fois que je récupère, je veux que l'on arrive à l'école et que je coupe plus une tête pour faire des 70 véhicules. Ils vont partir d'ici ou de l'autre côté, de derrière? Faudrait quand même les suivre un minimum pour pas qu'ils s'en aillent. Ouais, c'est ma femme, ne vous inquiétez pas, d'accord. Puis 07, ils sont. Les gars, la prédiction! Ils sont en train de se faire casser. Ils vont partir des banques et leur véhicule. Ça, c'est ce qu'ils te disent à toi. Les gars, la prédiction, ça va être maintenant. De l'autre côté, ça part de l'autre côté. Un véhicule qui check les canaux au cas où. 4 à 77. Vous êtes sûr qu'ils vont sortir par là? Justement. Et vous étiez en train de les suivre pourquoi, s'il te plaît? De Tango 422 à l'arrière de la casse, il y a un véhicule violet qui les attend. C'est vraiment pour une vente de drogue, hein? Ouais. Et arrière de la casse, c'est-à-dire position S, nord, sud. Côté Marina. Ok. On a combien d'unités côté Marina? Deux. Ah, ça sort, c'est bon. Non, suis pas, toi tu suis pas. Ça sort côté Maison Carina. Non, je suis pas toi. Non. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Deux véhicules, des fois deux. Récupère la voiture de flic. Ils ont pas encore lâché comme prévu. Mais non! Attendez, je vais la prendre. Je vous fais un je sais pas. Les Adam qui sont. Par exemple, là, il y a un conducteur dans l'Adam, on est bien d'accord. Il y a le conducteur. Il y a le conducteur, ils sont même en tango. Mais vous continuez pas les 10-20. Ils sont même en tango, il y en a plein qui fait les radios. En direction de l'hôpital. Écoutez, allez-y, je vous laisse, Henri. Pour les 10-20, il y a que Henri qui parle. Actuellement, LSHD, on continue en direction de. C'est ça? Bah, le 10-4, Adam Gérard, machin, qu'on décroche. C'est quoi les d'Adam? Ah mais il y avait déjà une troisième Adam qui s'était rajoutée. Bon, on leur avait dit de pas se rajouter, on était déjà trois Adam. Ouais. Vas-y là les gars, maintenant que j'ai eu ma chance, là c'est ma seule chance les gars, faut pas que je les perde. C'est ma seule chance de pouvoir refaire un bail. On va prendre les canaux, non? Ça va se faire bloquer par un. Là, si je les perds, je suis finito. Je les reverrai plus jamais. Je les ai rues avec un coup de chance. Ils sont passés devant moi. Non, toi, t'anticipes. LSC, c'est lourd, mais les flics sont. Non, respectez. C'est juste, je pense, au niveau de la com, tu vois. Ouais, je vais essayer d'anticiper. C'est juste au niveau de la com. Après, moi aussi, les gars, croyez pas, je suis bon, hein. Moi aussi je suis éclaté les gars. C'est juste qu'en fait genre c'est plus dans la com je pense. Où on pourrait travailler un peu plus le bail. On va essayer d'anticiper là. Ça part où? 37 de 40. Signalez moi si ce stop instantanément pour que je prenne mes distances au capsule break. 10-4. Dans un coin de rue ou autre. 12 Visual News. 10-4. Ok, let's go. Allez. Faut que je continue à essayer d'anticiper. Ça, si j'arrive à les bloquer, les gars, je suis monstrueux. Sachant qu'il y a le lieutenant devant. Il y a le capitaine, pardon. C'est pas le lieutenant, c'est le capitaine. Devant ah non, c'est le lieutenant. Minutes avant c'est le mec Alena. 10-4. 3 minutes avant refuel. Ça veut dire c'est le maintenant ou jamais, les gars, si on veut l'arrêter. C'est à moi de carry là. Allez, t'es grand.
Henri, on perd le véhicule de visuel. Ah, il va passer nous les cannes. Oui. Vous voyez la lumière de l'hélico, comment c'est incroyable. Putain, ça doit être trop stylé quand t'es, quand t'es illégal là et que tu roules et que tu vois y a un rond de, d'hélico qui te pointe, ça doit être incroyable gros. Il avance pas trop quand même dehors avec la félone. Ça va 72. Oui. Oh, désolé si je parle pas trop, je suis concentré. Hein? Focus, bref. On peut le faire. Henri, viens pour 0. We can do it. Combattant avant Richel. Actuellement 2 minutes avant Richel. Allez, allez. 4. Henri, on décroche. Ouais, désolé. Oh putain! Ça va aller, monsieur? Oui. Eh, l'SPD? Ouais, ça va aller. Oi. Je commence à perdre mes moyens là. La dame qui a fait un 10-50, vous allez bien? 10-4. Ok, faut que je me concentre. Mais là, le problème avec la pluie, je vois que dalle. Au cas où, on a une mule bleue qui a été volée au niveau de Grove Street. 10-4. Parez-vous être bloqué du coup. Ah, du coup, la troisième madame, n'hésitez pas à anticiper. Je vois rien, les gars. Affirmatif, votre disement, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas par où ils sont passés, hein. Mais en tout cas, moi j'ai été catastrophique là, j'ai trop l'air. Adam 72 également. Ouais, 4-4 pour tout le monde, 18 salle de dispatch. Ah, j'ai été catastrophique, j'ai trop l'air. Tant pis. Putain. Allez, 4. Adam 4, je te jure, 72 d'habitude, je suis trop fort en conduite, tu comprends pas. Je te jure, je comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis frustré. Toute la soirée pour te rattraper. Moi, ouais, je pense que je vais aller boire de l'alcool. Mais non, je vais aller me bourrer, je pense, pour me changer les idées. Ouais, non, c'est pas un bon bail ça. Je vais aller au Unicorn. Non plus. 54, j'ai pas encore le temps de me faire chaud, ça va arriver, t'inquiète. Merci. Putain, les mecs, on les a pas eu, fais chier. Fuck. Ah, dès le début, sur la primo, on a pris un petit dé. Mais déjà, prendre un otage pour un 10-60. Après, c'est pas le sujet. Putain, désolé, le siphonneur, fais chier. J'ai trop le seum. Non, ils abusent. Vraiment, ils abusent. Et c'est déjà arrivé, c'est pas la première. T'es pas trop fort, d'habitude, t'es trop éclaté. Arrêtez, les gars, dernière course poursuite, la bijouterie, on en parle. La bijouterie, on en parle. Il casse les couilles, les balles là. Mais c'est déjà arrivé, c'était même pas. À quand la commande ratio course-poursuite? C'était pas eux. T'as bah, 82, par exemple, 18. Pour un 10-60, le cap. Non, à chaque fois, agent, écoute, à chaque fois qu'il y a eu un 10-80. Après, les gars, l'école, c'était pas facile. À chaque fois, ça m'arrive quand je suis là. C'était... En fait, il y avait aucun col qui nous permettait d'anticiper, nous, les troisièmes, la deuxième et troisième voiture. Moi, j'ai eu que les balles qui. C'est très très dur d'être. C'est très très dur d'être une deuxième et une troisième voiture parce que déjà, de 1, t'arrives pas à racoler. Et de deux, tu galères à go Red Discord. Vas-y les gars, on va faire le Red Discord vite fait, histoire d'oublier la petite frustration. Et après, on va aller se faire, on va aller en dispatch et on va voir comment ça se passe. Mais vous avez vu, Santana et Doom, ça me calcule pas. Vous avez vu? Je suis choqué, wesh. Fumier, il est où le nouvel hymne? Ah, le nouvel hymne. Non mais y'en a, ils font un effort sur la photo, vous voyez. C'est qui ça, d'ailleurs, Mike Lee? Ouais, sa gueule, Eddie Marteau avec sa moustache de Mexicain. Allez, 21, ça va? Salut 54, ça va et toi? La forme et toi? T'es au courant, Sam, il s'est fait prendre en otage? Ouais, moi je suis par terre. Ouais, il vient de me dire. Voilà. Par contre, bref, je te raconterai, mais il y a une petite dispute entre moi et les autres. Ouais, je suis au courant. J'espère que t'as choisi ton camp. Quoi, j'ai un camp choisi? Tu me demandes de choisir un camp? Ouais, j'espère que t'as choisi le bon camp, 21. T'es sérieux toi? Je sais pas, ça doit être une personne. Parce que moi je suis tout seul, moi. C'est 36, c'est bien pris. Comment vous avez dit like? Ah! Non, ça va aller. Hop. C'est Michael Jackson là? Ouais. Encore? Collègue, tu veux voir une paire de couilles ou pas? Non. Vas-y, balance ta paire de couilles. Hop là. Incroyable. C'est si drôle. Ah ouais, bon. Avant, ça rigolait à mes blagues, hein. Super. Je vais l'expliquer plus que c'était. Oh, pardon. Mathis, retour à jeu. Oui, mon commandant, j'arrive de suite. Ok,
Qu'est-ce qui se passe avec les deux là? Oh ben non, rien du tout, mais des petites histoires d'amitié, mais vous savez, l'amitié ne doit absolument pas interpréter sur le travail. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est ça. L'SPI, c'est une famille, on est tous frères et sœurs. Ok. Bah, on est... c'est volontaire l'écran de show. Alors non, c'est pas du tout volontaire. Hier, lors de la prison, j'ai été abordé et attaqué en cachette par des individus qui m'ont rasé la tête. Ils étaient d'origine maghrébine. Rime tes cheveux. Ouais. Toujours les mêmes, de toute façon. Ouais, c'est toujours les mêmes, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. Pour pas changer. Ouais, merci, j'y vais. Les racailles, on parle bien des racailles. Des racailles, c'est ça. Ouais, foutu de pommes, les gars. C'est trop stylé, frère, l'embrouille, elle va être incroyable. Faut que j'aille préparer tout ça avec les malins, faut que je m'entretiens avec. Faut que je vois pour avoir un véhicule. Je vais avec les choquer. 88. T'es seul, gros, tu vas parler à qui? Bah, Omara et tout. 20, vous allez partir avec 54. Ok. Ouais, c'est qui 20? Ouais, il est concentré, 88. 20? Oui. Ouais. 83, vous allez partir où, avec 08. 20, oui, que se passe-t-il? Bien. C'est moi? Ouais, on est ensemble. Viens, Dani. Attends. Non, mais les gars, arrêtez de dire les embrouilles alors que ça va être la meilleure embrouille que vous ayez jamais vue sur Minisous, les gars. Ça va être juste incroyable. Ouais. 08, pas c'est pas les embrouilles, t'as la V2, hein, ça a rien à voir. Moi? Oui. On verra à la fin du live, ça va dire oh, GG Gamingo, incroyable embrouille. Bah, frère, je te jure que oui. Dani? Dani, on y va? Attends, 05, 10, 41. Qu'est-ce que toi? Carré, c'est parti. Je n'ai hâte que d'une chose, les gars. Sachez que quand j'ai lancé ce live, je n'attendais que le moment où j'allais. T'as coché quoi? Intervention. Où j'allais choquer le trio. Ouais. Parce que là, c'est du Kyle 1v3. Ouais. Ah, moi, c'est pas correct. Ouais. Vous avez la forma là? Le dernier, je sais pas, j'ai couché quoi. Vous avez la forma? Vas-y, ouais. Bonne forma. Non, on va pas trouiller. Eh, hey, 21, j'espère que t'as choisi le bon camp. Je sais pas, justement, ça me parle de conduite. Je m'étonnerais, j'ai pas couché conduite. Quoi? Ah, Marie, 26? Je t'explique. Tu me demandes de choisir. Mais 21, tu te rends compte ce qu'ils m'ont fait hier? J'étais. Je voulais juste. Écoute-moi. T'as vu? 27 et 42, on passe sur. T'as vu, moi, je t'ai demandé de m'aider pour 64, on est d'accord? Tu vois? Nous sommes d'accord. Et hier, c'était le dernier soir de 64, elle revient pas avant lundi. Tu vois? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai passé une heure avec elle. Une heure où je suis resté que avec elle. Adam 05 et 19 sont derniers. Et les autres, comment ils l'ont pris? Ils ont cru, je les avais abandonnés. Alors que ça fait un an, je suis tout le temps avec eux. Avec le trio. Là, pour une fois, je me suis dit, bon, pendant une heure, je vais aller lui parler. Comme c'est son dernier soir, son dernier moment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis, ils m'en veulent tous. Adam 40, 10, 40. Ils me détestent tous, plus personne me calcule, plus personne me parle. Et moi, je suis seul. 21, hello. Oui, capitaine, j'arrive. Et moi, je suis seul, il n'y a personne avec moi. Ouais, même bon, toi, tu m'as abandonné, t'as aucun. Mais me demande pas. Non, me demande pas de choisir un camp, mais ce que t'as fait hier, c'est clair, c'est normal qu'il l'ait mal pris. Tu les as laissés comme des chaussettes là. Ouais, mais 64, elle allait partir. C'était son dernier soir. Oui, mais t'avais qu'à nous prévenir, et à ce moment-là, on n'aura pas perdu 3 heures. Vas-y, viens. Ouais, mais moi, je pouvais pas, parce que j'ai. T'inquiète. Ouais, c'est bon, 21, t'inquiète, pas la peine, j'ai compris ton camp. Mais j'en te veux pas, moi, 54. Salut. Quoi, mais non. Vas-y, va avec Sam, va avec ton Sam. Salut. Eh, bon, 54, tu vas te retrouver tout seul à faire le con comme ça. Tu crois? Tu crois que je vais me retrouver tout seul? Mais moi, je suis pas méchante, moi. Quoi? Mais je sais que t'es pas méchante, c'est bien ça le problème. Ah bon? Si tu penses que je suis pas capable d'être tout seul. Ah bon? Tu veux faire la guerre, c'est ça? Non, mais 21, arrête, sérieux, tu ferais même pas la guerre à une mouche. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus Santana, Sam et Gandalf. Eh ben, tu sais quoi, reste dans ton coin, 54. Ils ont bien fait, ils ont raison. Ouais, c'est ça, vas-y, va rejoindre ton Sam, chérie. Tu n'as pas de valeur. Quoi? Tu n'as pas de valeur, 54. Ouais. Tu n'as pas de valeur. Me tromper avec la nièce du commandant. Bon, vas-y. Eh, tu veux que je te dise un truc? Même si tu serais la meuf la plus énervée du monde, tu me ferais même pas peur à 1%. Ouais, c'est bien. Tu sais ce que j'entends, moi? Tu sais comment je te vois, moi? Ouais. Je te vois comme ça. Ouais, dis-le. Vas-y, dis-le. Tu me fais pas peur, tu me fais pas peur. J'ai pas peur de toi. Tu me déçois. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Occupé deux fois. Voilà, moi, comment je te vois. Un tink meuf. 10-4, j'arrive. Je ferais pas peur à ma petite soeur. 10-4. Même si j'en ai pas. Je bloque ton numéro. Même si tu m'appelles. Oh non, pas ça. Il est où? 54 pour Dani.
Oh, Dani! J'ai un matricule de. Matricule en radio, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, Dani! Dani, Dani! Si vous allez sur les appels. Dani, on y va ou quoi? Oh là là, cette patrouille va être phénoménale, Dani! Légion, bravo, si vous voulez. Moi, je suis prêt, parce que les individus. Moi aussi, je suis prêt. Je suis prêt. Bah, tu regardes K.O. jumelles là. Oh, 28, comment tu vas, le boss? Ça va, toi, le boss? Ça va, tranquille. 28, t'es au courant, toi, pour mes cheveux? Ouais, mes cheveux. Ça les a rasés? Ça casse la tête, hein. Je suis trop deg. C'est qui les a rasés déjà? C'est des maghrébins. Ah ouais, ils m'ont fait, bah aussi. Putain. Je l'ai matraqué en cellule pour toi d'ailleurs, t'inquiète. Ouais, merci, tu gères. Là, ça me fait chier parce que c'est un peu compliqué avec les nanas du coup. Avec, ah, cette... avec son tronche. Mais t'inquiète, tu mets des perruques. Non, non, je suis pas trop perruque, je suis naturel. Eh, 14, il en a dans ma vie. 14? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je suis avec Dany là, on va aller en patrouille. Je suis vachement sale aujourd'hui. Ça va être carrément gang. 23, 10, 41. Bon, attendez. 14 de 28. Vous savez qu'on m'a pété mes lunettes, les malas, ils m'ont pété mes lunettes. Mais c'est pas possible de te faire victimiser comme ça, mais réveille-toi mon petit victime, mon petit Kyle. Quoi, moi je suis une victime moi. Bah, je leur ai laissé parce qu'ils avaient pas de tu vois, ils avaient pas trop de thunes, j'aurais laissé moi. Mais ça. Merci. Dis-moi ce que ça donne. Oh, c'est quoi cette merde? Là, c'est la frappe là. Ah, là. Bah, alors là c'est vraiment le bureau là. Là, c'est vraiment Kyle du bureau là, c'est vous le central. Là, c'est et les PG agent 52-4. Bon, allez, ça va garder ça, c'est parti, hein. Let's go. C'est parfait, là. C'est tu pars comme Hawaï. Tu prends le volant? Comme tu le sens. Vas-y, prends-le au début. Si je vois que t'es éclaté au sol, je le prendrai. Attends, parce que là, tu vas sur un terrain dangereux, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'aventures sur un terrain. Dernière nouvelle, c'est toi, t'as perdu un pick-up en 2 minutes. Ouais. Tu te rappelles de cette fameuse patrouille? Ouais, les patrouilles de 2 heures. Les patrouilles de... la patrouille à 3 heures. D5, Adam 20, composé de 54 et 20. Vous avez signalé mon Adam aussi, 40 et 69? On n'a pas été... oui, c'était signalé. Ah, 44, pardon. Si, il nous a appelé, mais il s'est trompé. Il s'est trompé, hein. 20 et 54 pour le dispatch central. 91 est avec 88. On a 500 mètres, là, sur le 10-85. Adam 20, 500 mètres du dernier 10-85 qu'on va prendre. Vas-y, go. 88, 10-19, du dernier 60. Vas-y, go, champion. Ouais, du coup, en fait, faut que je t'explique là. Je suis en embrouille avec mes meilleurs potes. Parce que j'ai préféré aller avoir une meuf hier. Tes meilleurs potes. Hé, hey, laisse Pili. Oh, tu l'arrêtes. Oh, lui, tu le lâches. Lui, tu le perds pas, lui. Fous-moi la paix, lâche ma grappe. Hé, hey, laisse Pili, arrête-toi, enfoiré. Lâchez ma grappe. Oui, la voiture d'après. Oui, c'est trop tôt, on va dire. Hé, laisse Pili, je te fais quand. Hé, laisse Pili sur le bas côté. Allez, on avance. Non, on a rien fait. C'est toi le bas-côté. C'est toi le... What? Il m'a insulté de bas-côté. Vas-y, 54, fais le call radio, que le 1085 se transforme en 1070, d'une félone accompagnée de... Ouais, ouais. 1085 en 1070. Ouais. Adam 20, le 1085 se transforme en 1070 d'une félone occupée 2 fois. C'est 4 fois, mais c'est pas grave. Merde. Je demande des unités d'enfant ou pas? C'était le dernier club en date de si il tient bien, ouais. Ok. Si il tient bien, ouais, on okay, okay. Est au 5-10-20, s'il vous plaît. Actuellement en PDP. Vas-y, c'est parti. LSPD, stop the call now! LSPD, don't move! Move then! Stop your vehicle, please, man! Stop the call now! Arrête-toi, rends la félone! Rends la félone, enfoiré! Deux, il faut faire qui a plein un mécano au niveau du PDP. Tu vas t'arrêter, enfoiré. LSPD sur le bas côté. Ouais, il est en train de bloquer tout là. C'est pas du jeu, monsieur l'agent. Y'a pas de plein qui tienne. LSPD, arrêtez-vous, ou coopérez, on va vous mettre en cellule. Il a rien fait. Arrêtez-vous, on vous arrête. Voilà, si ça marche pas, je comprends pas. LSPD, arrêtez-vous. Du TK. Voilà, je vais jouer ma carte maîtresse là. Monsieur l'agent, okay, arrêtez-vous, sinon je considère ça comme un refus d'obtempérer là. LSPD, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Là j'ai dit s'il vous plaît, j'ai dit ça. Voilà, il a dit s'il vous plaît. Oh yes, let's go. Ah, let's go. Allez, on va leur mettre la maximum. Ils sont naïfs comme tout. On va leur mettre tarif. On va les allumer dans les amendes, c'est parti. Oh merde. LSPD, non s'il vous plaît. LSPD, stop the car. On va faire le contrôle de la voiture. Tango 05 code 7. LSPD, 48 07, je vous attends au niveau du parking supérieur. Oh,
Ok, c'est parti, stop, d'accord. Vous êtes un parking supérieur au niveau de la colonne. LSPD, don't move. Move down. Move down, don't move. Don't move, move down. Approche-toi d'eux, je vais tirer une balle. Attention. Ok, j'ai tiré la balle. Je les ai ratés. LSPD, stop the car. LSPD, stop the car. Move down. Don't move, move down. Adam 07, 1041. Don't move, move down. C'est le LSPD qui est derrière vous. Attention, le lancer du... Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Stop the car. Don't move. Move down. Move down, ça rentre pas dans les cordes, monsieur. Tu vas t'arrêter, espèce de gros culé de tarasse. Là, c'est vrai, y'a rien qui marche. Dit comme ça, j'ai plus envie. Ah, d'un rampé 54. Ouais, désolé, désolé. Excusez-moi. Désolé, stop the car, please. Stop la vente, t'as dynamo que salopard. LSPD, stop the car. Ah, il y a malheur d'appeler. On coupe le moteur, sortez du véhicule. On a rien fait. Avancez, messieurs. Le prochain accident, on sera dans l'obligation de descendre. Vous arrêtez, messieurs. Est-ce qu'on a intérêt à conduire? Ok, ouais, demande, j'aime trop le fair play. T'as dit quoi? Messieurs, juste. Demande un code 5. Ouais, ouais, je vais demander un code 5. On doit mettre de l'essence, pousse. Ouais, ouais, bien sûr, pas de soucis, allez-y. Merci infiniment. Ouais, naïf. Vas-y, va mettre l'essence. Arrêtez-vous, vous quatre, et mettez les mains en évidence. C'est quelle station? Donnez-nous l'adresse de la station essence. LSPD, lorsque vous allez mettre l'essence, descendez vous quatre, mettez les mains en évidence. Le temps de 05, écartez-vous du véhicule, s'il vous plaît. Reconnaissance, il a filtre bien dans la voiture. On demande juste un code 5 pour la station. Comme ça, on les cerne. Adam 54 demande une unité au niveau de la station service. Laquelle? Un peu plus de précision, s'il vous plaît. Justement, on sait pas trop, on est actuellement en 1070 d'une félone occupée 4 fois. Et ils ont indiqué qu'ils vont aller mettre le plein pour le moment. On est au niveau du Bénise. On prend direction LTD. C'est une Adam 59, s'il vous plaît. On arrive au niveau 64. De la place des cubes. Adam 88. On va passer devant le parking rouge. Voilà, 88, mon gâté. En négatif, on prend direction sud, direction le Bénise. Négatif, on prend côté direction LTD. On est sur la route direction Marina. On reprend nord, on va se rapprocher du... On se rapproche du Weasel News. Affirmatif, je pense qu'ils vont aller au LTD. Hein. 14 à tous, c'est déjà une unité au code 5. 88 et à 500 mètres. LSPD, arrêtez-vous, vous avez aucune chance, on a le renfort qui arrive. Demandez à l'hélico, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, les. Et les connards. On l'a. Ok, parfait. Madame K3-3, on a reculé à la poursuite. Affirmatif, on va reprendre le lead, les collègues, on va reprendre le lead. Allez-y, prenez le lead. Je réitère. LSPD, don't move, stop the car. Stop the car now. Messieurs, coopérez avec les services de police. Contrôle, on est suivi par deux. J'ai mis les sirènes de mecs sérieux là. LSPD, stop le corps. L'oiseau est dans la tanière, je répète, dans la tanière. Ils sont deux, avec trois personnes dans un des véhicules. J'ai besoin de renfort sur la longue, la rue 442, 447, 667, 669, Papa Fox, attends de contrôle. LSPD, arrête-toi. Okay, code 667, partie 2. C'est moi ou il dit que de la merde là? J'ai l'impression qu'il dit des codes au hasard. 10-10 pour 10-4. Allez, on encercle l'individu. 28-911. Venez, on fait un Shifumi. On procède à la manœuvre de tridimensionnalité. On va arrêter le véhicule. Aïe. On passe à manœuvre tridimensionnelle. Le moteur sort du véhicule. Il sort. On a rien fait. Prenez-les. Ils partent en courant. Je sors. Je prends la meuf. Je prends l'autre mec. LSPD, arrête-toi. Vite le taser, les gars. Le taser, il faut pas que je le sorte en même temps que je cours. What? Ok, il est là. 05 dans le cheat. Adam 72, code 7. 19? Ouais, 4. Ok, j'ai vu son nombre. Tu peux venir, s'il te plaît. Oh, let's go, j'ai vu son nombre. Vous avez vu son nombre ou pas? Oh, merci le soleil qui carie. Oh, le soleil il carie. On voit son nombre. Il doit être là. Ouais, il est là-bas. Oh lolo, incroyable. Oh, incroyable, gros.
Ok, il a aucune chance. Il n'a aucune fucking chance. Il est finito. Il est mort dans le game. Faudrait que j'arrive à prendre mon taser. Toutes les unités, si vous avez la moindre information concernant le gang habillé de bleu ciel, veuillez m'en informer s'il vous plaît. Pour une enquête. Merci. 4. Actuellement, je suis sur 3 individus, mais pour manque d'informations, je ne connaîtrai pas leur nom et prénom. Mais attendez, les gars, il est passé où, frère? Mais non. Madame 40, code 7. Attendez, mais c'est chelou, frère. Il doit être derrière le conteneur. Non. Non. Attendez, mais je comprends pas, il a disparu ici. Comment il a fait pour descendre? Attendez, j'ai raté un truc, là, c'est pas possible. On peut descendre par là? Putain. Il m'a baisé, je savais pas qu'on pouvait descendre par là, gros. Oh non. On go sur le 5 18. Oh, fais chier. Putain, en fait, j'aurais dû rester là, ça. Là, il me faut un plan large sur le visuel. Il me faudrait des jumelles aussi. Jumelles. Est-ce qu'il y a mon individu vers là-bas? Non, là c'est la meuf. Il est où ce petit chenapan? Il est où? Putain. Comment je range les lunettes? En gauche et à la chaîne qu'on s'occupe du divan. 54 pertes de l'individu au niveau des du chantier, je vous fais un 10-20. L'individu est vêtu en noir avec un masque de clown. On va arriver à 19-54. J'ai dit clown, les gars. J'ai dit clown. Oh là, j'arrive, je vois ça. Oh là là, NS. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là, honte. Oh merde, le cadet. Putain. Oh, c'est terrible. Oh merde, la sauce. Oh non. C'est vraiment 34, tu vas bien? Mais les gars, mais touche. Mais en fait, mon clavier, il est trop sensible. Oh putain, fais chier. Attends. Ok, ça marche. Ils sont derrière. Vas-y, ils vont être là, on va les trouver, t'inquiète. Vous avez une dernière. Ok, les gars, ça fait combien? 30 secondes là. Et je crois que c'est eux. S'il vous plaît. Je crois que c'est 30 secondes, les gars, okay. L'arrivée des EMS, c'est bon. Incroyable. Vas-y, reste avec nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu tiens le coup. Bientôt, ils seront là avant même que je coma, frère. C'est un truc de ouf. Oh, je tiens le coup. C'est le médecin, s'il vous plaît. C'est incroyable, frère. C'est du jamais vu. Les mecs, ils patrouillent, gros, et ils attendent les appels. Okay. Oh, monsieur. Il s'est passé quoi? J'ai fait une mauvaise chute. J'ai mon cadet qui a dû faire une mauvaise chute là, il avait beau avoir ses lunettes de protection, je crois que ça a pas marché. Wesh Catracho, comment tu vas mon ref? Mon gars sûr. Eh hey, NS par contre, comment on fait là pour les cheveux? Merci pour le 20ème mois mais frérot, les cheveux comment on fait? Je suis resté avec moi. Ah, je suis là. Ah. Elle est super. C'est quoi? Ah, putain. Restez avec moi. L'individu m'a poussé. Ouais, il a poussé là, il a fait un croche-pot. Je les ai vus là de loin, ils étaient en train de se courir derrière. 54, il a commencé à l'attraper par la tignasse là derrière la tête, dans les cheveux. Il y a un clébard sur moi. Il a fait un croche-pot. Oh le vrai ref. Il l'a poussé par terre. Allez. Et juste avant que 54 il tombe, il a tiré un coup de taser. Là, entend moi, il a fait. Oh, coup de taser, il a tasé le gars. Mais trop tard pour lui, en fait, il était tombé. Il est tombé. Ok, ça va. Du coup. Wow. Du troisième étage. Ok. Du coup, le mec, il a eu le temps de j'ai un peu de vertige. Attendez, faut que j'enlève ma casquette parce que j'ai sacrément mal à la tête un petit peu. Ok, je vais voir. Je suis mal retombé. Casquette garde. Je vais vous aider. Oh, j'ai un peu, le tournis. Ok. C'est le tournis, c'est tout. Ouais, ça va. Plus de peur que de mal. Essaye de lever les bras. Le problème, c'est que comme j'ai plus mes cheveux, ma chute, elle a fait deux fois plus mal, quoi. C'est quoi là? De base, je suis pas chauve. Il y a une fissure, on dirait. C'est quoi, le chien? On va essayer de marcher un petit peu, allez-y. Ok, je vais essayer. Je vous donne le chien, venez. Je crois que ça, y a une fissure, vous êtes. Mais il y a un colis. Je crois que tout va bien. Comme quand un œuf il se casse, quoi. Madame 40, on check le chantier. Ok, ça va. Ok, c'est bien de bien aller. Bon, plus de peur que de mal.
Je vais vous passer de crème au niveau des services. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre rapidité, votre efficacité, votre professionnalisme, votre pertinence, votre bonté, votre beauté, votre charisme. C'est bon. Allez-y, mettez-moi de la pommade sur la tête. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait vraiment du bien. Ah, par contre, c'est un peu pris. Vous savez, quand vous rasez la tête, vous faites le contour et que vous avez l'impression d'avoir froid au crâne. Eh bien là, c'est la même, mais sur toute la tête. Négatif. Mais non, Primaise, merci pour l'abonnement offert à. On a plus d'informations sur ça. C'est le même individu que 54. Merci pour l'abonnement offert à mon ref. Ouais, exactement. Vous m'avez dit quoi, pardon? Du avec un t-shirt rose. Oh les gars, depuis tout à l'heure, c'est le focus, j'entends rien. Attendez. Désolé, je vous entendais pas, monsieur le MS. Est-ce que vous pouvez répéter? Repartir. Ouais, ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais laisser le volant pour rentrer à mon collègue, histoire de reprendre un peu mes esprits. Mais heureusement que je suis tombé sur le sable. Eh bien. Ça va, Vous avez de la chance, Merci, merci beaucoup en tout cas pour votre efficacité. Bah, je vous dois quelque chose? Si, non, vous ne devez rien. Si vous avez le moindre, la moindre trouble, la moindre douleur, si bien vous passez l'hôpital avec moi. Ok, ouais, ça marche, merci beaucoup. Eh ben c'est super. Allez, je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Je préfère rester à marcher. On n'est pas ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour monsieur, vous êtes fait importuner par cet individu? Non, du tout, du tout. Ok, ok. Vous allez bien? Quel chien si vous voulez. Vous non, ça va, merci. On vous laisse. Par contre, le clébard il monte pas dans ma caisse. Ouais, gardez-le, c'est avec plaisir qu'on vous le donne. Cool. Ouais, c'est pas la peine de grogner, tu montes pas dans ma caisse. Je me fais peu. Non, ouais, c'est un truc doux. Méchant avec le chien, c'est tout. Ah, lieutenant, capitaine, commandant, c'est qui? Ça, c'est le lieutenant. Ah, c'est le lieutenant avec Gandalf. Avec 47, pardon. Hey, James Bond et Gandalf, ça en fait ça. What, qu'est-ce qui se passe là? Bah attends, mais il course un mec là-bas lui. Oh! Oh là là, j'ai cru que j'allais faire une V2, les gars. Ok, il faut que je prenne le taser. Oh merde. Non, bah non. Attendez, les gars, 2 secondes. Arrête de danser, 54, faut y aller. Ok, c'est bon, là c'est good. En fait, les gars, il faut différencier le moment où tu sors le taser, il faut pas courir en fait. Sinon, ça te fait shift en fait. Ouais, mais putain, j'ai plus le taser. Eh, LSPD, où vous êtes? LSPD, ça résonne là-dedans là. LSPD, montrez-vous, messieurs. LSPD. LSPD. Oula. Ça fait. What? Aïe! Non, mais c'est terrible! ça résonne pas mal ici, non? Ouais! Ouais! 54, t'es hyper actif un peu! Ouais, ouais! Tranquille! Vas-y, on repart en patrouille, mon sous-non, on va le laisser avec l'autre. Il ressemble à quoi le mec qui t'a poussé? Il est habillé tout en noir avec un masque un peu bizarre, tu vois. Ce chantier, les gars, il me fait vraiment. Je le sens vraiment pas, tu vois. Je me méfie de ce chantier. D'ailleurs ici je me suis fait courser parking pour la première fois. Hop là, hop là, hop là. L'efficacité à son apogée. Oula, c'est quoi ça? C'est 4. Ah bah c'est bon, il a été pris. Madame 40, ouais, du coup Dany, je te disais. Ouais. Parce que j'arrive pas à terminer, ça fait depuis une heure, je veux avoir ton avis là-dessus. Ouais. Oh, attends, parce que. Bah non, arrête-les, profites-en, arrête-les, vas-y. Parce que attends, il faut pas arrêter un de chez eux. Il faut pas contrôler un de chez eux. Faut des infos, mais là juste pour la conduite. Attends, je vais prendre plutôt celle qui s'arrête pas. C'était comment les noms? Coutinho? Aucune idée. Il a pris à droite. Eh là t'es dans mon bébé, là t'es dans le scout, tu ne peux pas le perdre. T'as une brochure, elle est incroyable. Ok. Adam 20, si ça arrête pas, c'est 70. Il a potentiellement un truc à se reprocher. Bleu. Occupé X fois. X4. Eh LSPD, arrêtez-vous. S'il vous plaît. On veut juste procéder à un contrôle d'identité, monsieur. On veut juste avoir vos identités, messieurs. LSPD, stop de camp.
Je suis désolé. Eh, l'SPD, arrêtez-vous devant vous. Arrête-toi, on fait une pute. Eh, appelle tes renforts là, je crois que c'est la merde d'ailleurs. Eh, l'SPD, arrêtez-vous, Adam, monsieur. Adam, on aurait besoin de code 5, s'il vous plaît. 1044. Eh, l'SPD, stop, go. Monsieur, on va juste vous amender pour excès de vitesse. Direction est. T'es Adam 07, on arrive. Tango 05, 10-18. Eh, l'SPD, stop the car. Stop the car now. Stop the car now. On passe le cinéma, toujours direction est. Car now, stop. Ligne du code 520. Avec cette vitesse. Refus d'obtempérer. Un véhicule qui fait un excès de vitesse et qui est parti en refus d'obtempérer. On a un deuxième véhicule de type Leclerc qui est en train de nous suivre. 10-4, vous avez besoin de code 5 encore ou pas? 10-4, on est en dessous du taxi, direction sud. Bien pris. Putain, il fait des bons calls. Eh, tu fais des bons calls, Dani. On va tourner vers Barrio 8, direction ouest. Je suis dans le Barrio. On a pris l'autoroute. Je rêve de dîner, route Arcade Bar, direction est. La mallette Gangs. Vas-y, et toi, arrête-le là. La mallette Gangs. Mets le décompte sur le mégaphone, vas-y. Ah ouais, vas-y. Ishkat. Eh, l'aspiré, arrête-toi, mon vieux, t'as aucune chance là. Dis-le d'abord. Et fais caméra. Garde dans ma patrouille. Oui, vous pouvez le garder, mais est-ce que tu peux me faire tirer au PDP? Il est malade. Jusqu'à 2 minutes. C'est un grand dingo. Mais t'es un grand malade, t'es en contresens, on ma chérie. On vient passer en dessous de la supérette de l'ancien climatique, toujours direction sud. 49 dans la fuite. Ça marche pas avec moi, mon vieux. Et arrête-toi tout de suite. Téléphone, s'il vous plaît. Attendez, j'arrive, j'ai un problème avec mon téléphone. On veut le constat. Le constat. Laissez-nous tranquille. Putain, il me gêne. Oh, accroche-toi. Quel type de véhicule vous poursuivez, vous, Evan? Toujours autoroute en dessous d'El Burro, on va reprendre direction nord. LSPD, stop le corps. On va oui, on prend sur l'autoroute. Demande de renfort pour la deuxième unité là. Ouais, t'inquiète, ils arrivent. Eh, il faut tenir le coup, 54, tu ne lâches pas. T'inquiète, Danny Boon. Toujours sur l'autoroute, on va arriver en dessous de Pillbox, direction ouest. J'ai bien pris, mais sur l'autoroute, on essaie de voir. 10-22, ils vont reprendre l'autoroute ouest, est pardon, direction nord. Ils tournent Barrio 8, direction ouest. C'est quoi déjà cette musique? 92, direction pillbox. Eh, il faut des unités de renfort pour les enflures derrière là. Ouais, ça arrive. Un conseil, lâchez-nous la grappe. En dessous de Barrio 8, direction ouest. Lâchez-nous la grappe. Chantier Alta Street actuellement. Ils arrivent les renforts là. On est en supériorité numérique. Non, fermez-la, je veux... Laissez-nous tranquille, foutez-nous la paix, bordel. Arrêtez-vous, bon sang. On veut juste faire un contrôle d'identité. Vous allez faire un putain de constat pour notre coacher, tu l'as défoncé, putain de merde. Oh là là, mais ton constat, mets-toi-le... Foutez-nous la paix. Mettez-le dans la vidange, ton constat. Pit. On est en dessous de l'Arcadius, actuellement, direction ouest. On passe derrière le parking. On lâche pas, mon gars, on lâche pas. Et donne supplément, coup de sec, Adam 07, 1051. 10-4, on arrive. 10-4. Allez-y, fais un parking central. C'est vrai que le scout il est incroyable, gros. Eh, mais le scout il est incroyable. Il est trop bien, le coup de scout. C'est trop la frappe. On est parking central, direction est. De la frappe. Vers le Bénis, direction sud. On compte vu que des scouts, ouais. De la frappe. Caisse. Vas-y. Caisse, je veux une grosse caisse. On passe devant la fourrière. Direction nord actuellement. Caisse, arrête la caisse. Caisse, derrière l'ancien caisse. Paintball. On va passer derrière la banque, la place des cubes. On passe pas, nous. Est bloqué putain derrière la banque. Il a pris direction station essence Unicorn. Besoin de code 5 ou pas? 4, Adam 72, on est à la poursuite du véhicule. Et direction autoroute à côté de la munition. Okay, 10-4, on est sur vous. 10-4. Pit, s'il vous plaît. On est derrière, on est toujours derrière, on a fait le tour. Adam 37, prenez le lead. S'il vous plaît, pour libérer la radio, tous ceux qui sont en 10-70 actuellement, passez d'une fréquence. Il y a des personnes qui souhaitent contacter le central et ils peuvent pas actuellement. On a besoin de 4-5. Hein. Adam 72, on est juste derrière vous. Prenez le lead, s'il vous plaît.
10-4, serrez sur la droite, s'il vous plaît. 20-72, si vous êtes en 10-70, changez de fréquence, s'il vous plaît. Impossible, là. L'individu est toujours au niveau de Fieldbox. Hello. C'est bon, roulez, avancez, 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 messieurs, avancez. Arrête-toi. Merde, le con, tu putain. Tu me fais des virages. Oh putain, je suis trop con. Oh, des virages. Eh, l'SPD, stop le con. Je suis trop con. Eh, je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver de... sur les pots de fleurs de l'hôpital, hein, je te jure. Moi, je sais pas. Merde. Gauche, droite, gauche, droite. Hein. Ouais, les poteaux, je les aimais pas trop. Musique du gérant, les gars. Musique du gérant. Allez, on lâche pas, hein. Je reprends le lead. Dealer devant, je reprends le lead. Reprise de lead actuelle. Bien vu. Et là, tu gardes un peu de distance. Ils vont faire de la place. 14-28. Je crois qu'il y a un problème avec ton. Oh là là, c'est incroyable la musique du gérant là-dessus, gros. Oh, let's go. Enlève-moi mon t-shirt, s'il te plaît. Enlève-moi mon haut. 28 de 4 rides. Ton haut. Ouais. Ton gilet. Ouais, ouais, ouais. T'es 14 de dispatch. Faut que je sois torse nu là. Affirmatif. Pose pas de questions. Ouais, ouais, ouais. Je suis chaud là. Merci pour qu'il y a pour. Je vais annoncer le changement. Bah, vas-y, je te fais des boutons. C'est pas comme changement. Merci, mon sous. Adam 72, à la personne qui est en 10-70, est-ce que vous pouvez nous faire un 10-20? Ouais, Jimmy Darnell. Ils sont passés dans une autre fréquence. 91 et reste au poste pour les photos. Et du coup, actuellement, ancien concessionnaire au niveau du Darnell 37. Merci. Du coup, Adam. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Une course poursuite au cœur de l'Ouest. Poursuivi par Lionel Speedy, un scout et une cruiser. Mais c'est le journal du 20h ou quoi là? C'est extraordinaire, comment t'as fait ça, Dani? Là, c'était le JT là. C'était le JT? Y'a le Weasel, il est au-dessus en hélico là, je crois. Arrête! J'ai mis la radio, je te jure, c'est la voix, elle est sortie. Incroyable! Incroyable! Merci, Gnoc! Oh le bâtard! Oh, tu le filmes, vas-y, suis-le! Suis-le! Est-ce qu'on passe? On croise les doigts? Bien sûr qu'on passe! Oh putain, on passe pas! Oh! On si passe! On passe! Oh! On joue à rien, y'a le cap! Ah! Ah! Oh, bloqué oh pas, putain, bloqué on a. Pas. Ils ont bloqué. Oh, pff, ça va, t'as rien de cassé ou quoi? Moi, la va, caisse, moi, elle va mal, va, hein! Eh, la voiture, on ira la réparer, nique sa mère, c'est du comestique. Ça se dit ça? C'est du matériel, on dit. Voilà. Par voilà, contre, juste, ouais. Y'a un problème avec. Prends une pastis. Genre, en fait, comment dire, ça résonne à mort. What? Mais je l'ai pas tué. Ça résonne à mort. C'est carré, c'est carré. Ouais, c'est bon, carré. C'est carrément sous. Ok, là c'est Sam devant, normalement ça devrait le faire, on va pas le perdre. Il conduit bien Sam. Ok. 54 à 37, vous allez garder le lead, je vais essayer d'anticiper avec le cruiser. La scout, pardon. Ok, c'est parti les gars, on passe en mode anticipation. Ok, ok. Faut qu'il se là. Il faut que j'arrive à réfléchir. Ok, je rentre dans la zone là. Il faut que j'arrive à anticiper vers où il va passer. Oh ah. Ouais, merde. Non, c'est fabuleux. Ils en avaient prévu deux carrément. Ah, il prend. Allez, vas-y, c'est le pick-up. Arrête, tu veux du pick-up, c'est ta deuxième chance. Tu fais le tour et tu suis le pick-up. Le pick-up. Ah non, la voiture elle est là. Incroyable. À droite. Adam, on a repris visuel de putain du véhicule, on est actuellement à la marina, direction est. 4. Là, il a repris à gauche. Là, il nous a baisé là, qui part. Oh. Il est dans la zone. Vas-y, en code 6. LSPD stop the car now! LSPD stop the car now! 10-4, Adam 88 disponible. Stop the car now! 72 derrière vous, s'il vous plaît, c'est le véhicule. Stop the car now! À la marina. Don't move! Don't move, move then! Tu pensais que t'allais pouvoir me semer, hein? Tu connais pas l'agent 54? Continuez les 10-20. Moi, on a ma bosse de 15 meilleurs potes si on nous sait de marina.
Avec 54 et 20 derrière vous, vous n'avez aucune chance de semer la police. Les doigts, je vais pas le lâcher, les gars. Ça va aller. 4. Dany. Ah non, c'est moi, Dany. C'est toi, Dany. Dany, sinon, ouais. On va venir. Tu nous ferais pas un petit JT là? 54, vas-y, je te le propose. T'es chaud? Vas-y. Impro. De quoi? Ah, mais là, je suis en train de conduire là. Bon, vas-y, je le tente. Après. Oh merde! Oh putain, attends, parce qu'il y a une couille là! Oh merde! Attends, deux secondes, hein! Je suis un peu occupé là! C'est 40 années! Je peux pas tout faire en même temps! Oh merde! C'est plus une enquête exclusive là! Ah là, c'est plus le GT là, c'est enquête exclusive! Dans quelques instants, je peux encore être. Attends, parce que vas-y, attends, deux secondes, hein! Ouais, mon sous! Arrête-toi! Arrête-toi, LSPD! C'est à Dame 72, à Dame 54, est-ce que vous pouvez faire des dizaines? LSPD, dis-lui aux places des cubes! Affirmatif! Niveau place des cubes actuellement. Attends, ouah, faut qu'on gère tout. Repasse dans l'ancienne fréquence. 37, il te fait des demandes tout à l'heure. 07 de 40. 4. Je sais votre félon dans le parking en bas de l'hôpital. Quel, on est 1.0, on est d'accord? Ouais, 1.0. Fais attention. Ok, bien vu. Toujours place des cubes, il y a un autre pick-up qui essaie de nous bloquer. On demande de renfort, 37. Là, on passe au niveau, 40, au niveau de l'hôpital. Lamination. On arrive concessionnaire. On prend direction Bénise. Ok, t'es prêt? C'est parti. Vas-y. Derrière le Bénise. Bien vu, Dany. Dany, t'es monstrueux. Il reprend direction Nord, Fourrière. Dis-lui Quincallier. 10-22, il va tourne comprendre. Dans les ruelles. Dis-lui Quincallier, il va capter. Quincallier. Quincallier. Ouais, enfin que lui, il hein, les autres. Ils sont en autoroute au-dessus du Bénis. Affirmatif, c'est pour 47. On est derrière. Tu es 20. Il y avait que ce J-Life là qu'il pouvait capter là. Ok, musique du gérant, c'est reparti. Direction. Ouais, c'est bon, on a deux véhicules bleu clair sur l'autoroute. Hein. Mais 10-4, mais où? Allez, mais tu sur vas t'arrêter. Au niveau du Bénis. Tu vas t'arrêter ou non? Madame 80, préparez-vous, mettez-vous proche de l'autoroute au cas où ça fait un plop. Au cas où. Attends, bah, si, bah, les véhicules là sont possiblement là en plus neuf. Oula. On reste derrière vous. Mais... Ah ouais, attends, il faut bien les coller. Oh, mais Chalo, elle est où? Désolé. 22-72. 10-4. Au niveau de l'ancienne casse là actuellement, on est sur le 70. On a déjà deux unités. Qu'est-ce là? Il est énervé ou quoi? On a deux unités, c'est bon, 70. 4. S'excuse pour la gêne occasionnée envers votre véhicule. Dame 83, nous sommes actuellement 110 dans une position de bloc sur deux fois au niveau de la place du cube. Pas besoin de rappeler. 46 pour 07. Une course-poursuite hors du commun au cœur de Los Santos. Adam 20, composé de 20 et 54, sont les premiers derrière le véhicule. 54, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire, s'il vous plaît, sur cette course-poursuite? Eh bien, après 15 minutes à passer derrière les individus ne sont toujours pas relâchés d'affaires. Ils ont du mal à semer la police et la police a du mal à arrêter la course-poursuite. On reste au cœur de l'actualité avec Dany en tant que coproducteur. Effectivement, une conduite dangereuse, prêt à tout pour vaincre le LSPD. En poursuite, ces individus sont considérés comme dangereux avec deux véhicules de police derrière eux et plus d'unités qui sont prêts à leur sauter dessus et leur passer les menottes. Restez au courant et restez à l'affût, s'il vous plaît, pour cette course-poursuite. Incroyable! Incroyable! Incroyable, Dany! Fume-les, 54, fume-les! Putain, dommage, j'ai déjà un mec pour la voix. La voiture du 10-20, s'il vous plaît. Dommage, on a déjà Nito. C'est la dernière position sur la Zion bleue, absolument à plein pneu. Oula. Il nous a fait une arrêt. 72, vous êtes où? Dommage, on a déjà Vito, on va off, on l'aurait pris lui. Il met le bâton qu'il ne laisse pas passer. Ouais, faible, trop fort, que des cracks dans my team. Il vient d'arriver au niveau de l'autoroute devant le chantier Concesse. 10-4. En fait, là, les gars, ça pue le plan pneu, tu vois. Pour direction nord. Ça pue le plan pneu, là. LSPD, messieurs, il est maintenant trop tard, on va commencer. Oh. Dans des tirs du parking rouge. Shotfire, depuis le parking rouge. 4 en tirant, voilà, énormément coup de feu parking. 10-31, sur nous, 10-31, parking rouge. Au niveau du parking rouge. Oh, véhicule. Le véhicule roule plus. Le ciel dans le parking rouge. J'en poursuis un. Là, dis-leur de prendre. On peut plus, non, on peut plus. Ils vont les prendre, ouais, c'est pour ça, arrête-toi là. Ils vont les prendre. Le call, il a été lancé, vas-y. Ouais, mais il fallait prendre. Ah putain.
La même 05, on est sur les lieux. On l'a perdu, les gars. C'était sûr qu'on allait se faire tirer dessus, ça. J'ai même pas bon, 54, 72, on y va. 72, on a un 1070 d'un véhicule bleu. Claire. Ouais, taser en main. C'était quoi le modèle du véhicule? Du coup, Adam 40 est disponible. On a plus de points. On poursuivait bien ça. Ouais, ouais. 4. Aucune idée, je sais pas. Description des véhicules, s'il vous plaît. On a un pick-up, une primo. Et, il a toujours... et la voiture principale, hein, l'action bleu ciel qu'on poursuivait pas tous en même temps, s'il vous plaît. À l'origine de tous les les tirs. Disquette. Je n'ai pas. Non, j'ai on aurait pas... besoin de code 5, s'il vous plaît. J'ai rien. Sur une... des... 10-20, s'il vous plaît, 72. Prenez au carré, s'il vous plaît. Prenez disquette. Bon, on court jusqu'au poste, on récupère une gov. Attends, ils sont où les collègues? Bah ils sont sur Vanu, là ils les ont poursuivis. Ok, bon vas-y go. Ou alors on réquisitionne un véhicule. On descend. C'est trop gang de faire ça. 10-5 pour nous 70. Tu me laisses, parler, t'inquiète, je me suis entraîné. Bonjour, 54 du bureau. Oula. Adam 88, on est en 1070 d'un véhicule. Adam 88, 10-20 s'il vous plaît. Il y a 6000 sur le niveau du bénis par direction Unicorn, monsieur, on peut pas les suivre, oui, nous on a des petits percés. 10-22, on vous a. La descente en rappel, ouais, me parlez pas de rappel après les rappels. Il est où les gars? Excusez-moi, Adam 72. T'inquiète. Let's go! Dernière position connue, Unicorn. Ok, Il y en a une trader bleu clair qu'on poursuivait et qui va sortir du Bénis en direction de l'unicorn. Le temps est dégagé, le niveau d'huile, ok. La vidange faite. Bobby, Charlie Delta. On va vendre le collage 22h35. 22h35, il est là devant là. Là devant, tu le vois pas? C'est lui. Tu te rappelles de cet enfoiré là? On va se le faire. 58-17, bonsoir. On va se le faire, t'inquiète pas. Ouais, tu gères les calls radio, moi je pilote, tu gères les calls radio pour les collègues. T'es à la caméra, c'est bon? Attends, deux secondes. Hein. C'est quoi déjà la caméra? En arrivant, on a retrouvé le visuel du véhicule bleu clair, actuellement quartier Astecas. Ok, c'est bon. Il est où déjà? 67 de 20. Toi? Ça va être... on a retrouvé le véhicule, il est rentré ouais, les individus dans un garage au quartier Astecas. Passez au-dessus, montrez-leur que vous avez leur position qui décombre rapidement. Bien pris. C'est au-dessus. Ah, ils viennent de changer de véhicule, ils ont pris, ils ont repris le même modèle. Ils sont toujours chez eux dans le quartier Astecas. Ils vont sortir. Tous les individus sont remontés dans le véhicule. Ok, très bien, ils vont sortir du quartier. La première Adam, là, vous allez tomber dessus. 4, on les voit. C'est ce véhicule-là, le premier. Ils prennent donc direction War Dogs. War Dogs, bien sûr. La visite toujours pas sur eux. Négatif, ils sont en train de. Ils se font poursuivre par une première Adam, ils passent dans les canaux dans leur quartier, derrière leur quartier. Ils vont arriver au niveau du tacos chez les Vagos. Négatif, ils prennent direction nord, quartier Ballas, ils arrivent au parking à 3 étages. Ils sont devant chez eux. Attention, il y a 4, 5, 6 individus hein, qui tournent autour. Pas besoin de 4-5 s'il vous plaît, je vous fais un 10-20. 10-4 Adam 40 disponible. Je sais pas si je dois fermer ma gueule ou si je dois parler là. Pourquoi tu dis négatif? Négatif c'est quand en fait, quand tu donnes un call et qu'au final ça se passe pas comme dans le call. On est à l'arrêt actuellement. Par exemple si je leur dis ils vont direction parking truc et qu'après ils s'arrêtent là, je dis négatif, ils s'arrêtent au truc. Je sais pas, j'ai appris ça sur G-Lag. Je sais pas si c'est bien. Adam 40, on est sur les lieux. Ok, c'est bon, là il y a deux Adam. Et nous sommes de retour pour vous couvrir. C'est sur les côtés, on sait jamais s'il y a quelqu'un. Et nous sommes de retour pour couvrir toute l'actualité. Sur mon dernier 10-20. Attends, me lance. Attends, tu me lances là? Ouais, ouais, je te lance là, mais je crois qu'il y en a qui se sont tirés dessus. Adam 40, on arrive. T'as tiré en bas? T'as pas entendu? Non. 67 de 72. Bonsoir. C'est quoi avec les individus qui étaient en 1070? Ceux qui sont dans leur quartier? Oui.
C'est simple, vous leur dites que si maintenant ils se rendent pas, qu'ils s'attendent pas qu'il y ait une descente très rapide dans ses yeux, c'est tout. Sa vérité dans leur quartier, malheureusement, sont obligés de sortir. Nous sommes du coup de redescendre sur le 1070 qui était en cours. Adam 88, on vient d'essuyer des tirs. Qui se sont réfugiés. Adam 05 également, elle m'explique des individus qui ont tiré sur les forces de l'ordre 54. Qu'est-ce que vous avez à dire? 10-4 Adam 40. Oui, effectivement, nous sommes donc au cœur de l'action aujourd'hui. On peut voir aux images là plusieurs agents de police encerclés par des individus récalcitrants qui ont refusé de s'arrêter. La situation est très compliquée et on couvre actuellement depuis un hélicoptère l'événement en direct. Effectivement, 54, ce sont des individus considérés actuellement dangereux et armés qui auraient tiré sur les forces de l'ordre. Nous attendons plus d'informations de la part du commandant et du chief pour pouvoir interpeller ces individus qui sont aujourd'hui dangereux. Restez-vous, faites attention. Attends, incroyable. Attends. Henri 20 pour la dame en barre. La raison du 1070 était un refus de contrôle d'identité et un refus d'obtempérer. Il y a des patrouilles de dispo ou pas? 10-4, dame 40. 10-4, venez quartier STK s'il vous plaît. 10-4, j'arrive. 10-4. Merde, dans 2 km. En arrivant, on décroche 10-18. Ouais, t'as bien fait en vrai. On servait à rien un peu là. Ouais, là on survolait. Ouais, ouais. Bah, c'est pas grave, c'était une bonne idée, hein. Même si elle a flop ton idée. Bah. sans l'hélico, est-ce qu'on l'aurait retrouvé? Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, bien dit. Bien vu. Bien envoyé ça. Attends, tu veux pas te mettre au-dessus plutôt? Ah, ouais, c'est bon, y'a un escalier. J'allais dire, y'a pas d'escalier, mais si. Est-ce que vous aurez reconnu certaines personnes ou pas? 10-5. Ouais, 10-5 ils étaient masqués, mais le problème c'est pas tant le refus d'obtempérer, c'est le fait que leurs collègues nous ont tiré dessus pour justement fuir aux forces de l'ordre. Ah, c'est mieux, vous avez pas un descriptif ou quelque chose, visage? Ah, code 5 malheureusement. 97 à tous, le véhicule négatif qui nous a. Merde. Allumé. Non, mais en fait, code 5, pneus, je veux dire, code 5 avait ce budget, ça veut dire négatif. Type Manana, la ouais, marque. Et les codes 5, ça veut dire quoi déjà là? Bleu ciel. Ah, 10-5, j'étais dans besoin de renfort. Ah merde. Putain, donc là j'ai dit besoin de renfort, non négatif. Malheureusement besoin de renfort. Ouais, malheureusement besoin de renfort. Oh putain, la honte. Oh la honte, frère. 10-5 c'est négatif, abruti. Ouais, je sais, mais code 5 aussi, genre ça voulait dire négatif. À l'époque, bah, ça y est, on repart en patrouille. Il est quelle heure? Oh, 22h41, moi je crois que ça va 10-10, hein. Ça va 10-10, mon pote. Faut encore que j'aille me dispute. 18, pardon. Tu vois, c'est ça ton problème, 54. Tu me sors des codes, ça sort d'où? C'est ça, y a un truc qui va pas te faire passer, c'est ça, moi je te le dis. J'espère pour toi, il te pousse pas de questions. T'inquiète, mais c'est juste une habitude en vrai, je te jure. Hein. Je te jure, c'est juste une habitude. Bah, je sais que c'est une habitude, mais justement, c'est ça qui va te niquer. Watch out for your codes, because when they talk the question, you begay like. like someone that don't know les codes, hein. Et t'inquiète, ça, mon sous. Les codes, c'est que mon petit point faible. C'est mon petit péché mignon. Ah. Nadique. Tu connais, y'a rien. Péché mignon, je crois que c'est une cuisson pour une viande. Ah ouais? Ah non, c'est le fini, mignon. Ah ouais, et toi, attends, t'as faim, toi, on va manger. Braquage du coffre-fort de la supérette en cours. Ouais, je crois que ça va 10-10, du coup. Salut, mon sous. Wesh Anderson. Y'a-t-il des unités encore en demande? Mais non, Anderson. Mes deux petits Anderson. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Comment ils s'appellent ton père et ta mère? Attends, c'était qui? Elle était noire et l'autre blanc, il était blanc. Joachim et Jasmine, je crois. Tu connais un Brian et une Mégane? Véhicule noir occupé deux fois. Un Brian et une Mégane. 72, 10-21. Ah bah, je sais pas. 42. Oh bah, on n'est pas de la même mif, hein. On n'est pas de la même mif. Qui fait que on soit de la même mif, mais bon. Ouais, ouais, bon, bah, dommage. Malheureusement. Il faudrait une Adam qui soit disponible, vu qu'ils sont dessus, tout ça. Mais là, on a 18, là. 10-4, Adam 88. Il a dit, les persos de la création du perso, il en a rien à foutre. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Vas-y, Cube. Et 54, bah, il y va. Ouais, moi, je vais y aller. On s'y dirige, on y est presque. Bisous, les collègues. Ça tombe bien, comme ça, ils ont pas besoin de nous redispatch. Clairement. Vas-y, Kyle, c'était sympa. Vas-y, mon sous. Ciao, 67 de 23. Ciao, mon sous, bisous. Ouais, Santana. Salut, 49. Comment tu vas, le lâcheur? Ok, est
Santana, je pensais que tu m'appelais. Non, 05, on est disponible pour. Attends, deux secondes, j'étais à ma radio. Eh, tu sais que tu m'appelles à pic là. Tu m'appelles pile poil. Je viens de prendre mon d'école, tu veux toujours une voiture? Oh ouais, oh s'il te plaît, si t'as ça, tu me sauves la vie. T'as besoin d'une voiture? Combien de places? Bah n'importe, t'inquiète. T'as besoin pour une meuf? Je te sors. T'as besoin pour une meuf? Hein? Non, justement, c'est pour moi. Si t'as besoin pour une meuf, je te passe mon virus. Jure? Bah oui. Sur la vie de ta mère. Bah si tu veux, pour la soirée, je le prête. Tu me prêterais ton virus? Ouais, si tu veux. Oh, sérieux, tu ferais ça? Je crois. Vas-y, viens, on va dans les vestiaires là. De quoi? Non mais t'as pas compris. C'était une blague. Vas-y, on va dans les vestiaires. Non mais t'as pas capté. Si j'ai capté, c'est pour ça que je t'ai dit viens, on va dans les vestiaires. Vas-y, je suis carrément chaud. 88. C'est bon, t'inquiète, Dani, c'est bon, t'inquiète, Dani. Je vais avoir un gamos. Attends, j'avais juste mes saps. Et je te vois pas trop là, Viens, on va dehors. Oh là 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 là, oh le sous son Urus. Le sous son Urus. What? Ciao la bise. Eh vas-y, garde-la ta caisse en fait. Oh, elle est éclatée au sol ta caisse. Pouah. Voilà. Attends, j'ai mal entendu. Ah, j'ai dit elle est éclatée au sol ta caisse en fait. Je veux même pas que tu me la prêtes. Je vais prendre le tauros. Oh, aïe, arrête. Aïe. Non, vas-y, barre-toi, Dani, va faire du surf là. Vas-y, va faire du surf avec ta vieille caisse. Bon, du coup, la caution, je te donne quoi? Tu veux quoi pour la caution? Ah. Quoi? Ah, je savais que t'allais me demander un truc, tu veux quoi? Vas-y, va droit au but. Jure, tu veux rien? Juste la casse pas. Vas-y, envoie ton hume. Attends, merde. C'est quoi ton prénom? Attends, c'est un autre téléphone. Deux secondes. Il va bien. C'est Pop. Monsieur Pop. Doros location 69 87 Merde. 82 69, Doros 87 82 Doros location 31. C'est quoi ton numéro? 69 87 82 69 87 82. Tu t'appelles, tu me dis c'est bon. 69 87 82. Ouais. Ouais. Vas-y, carré. Nickel. Parfait. Carré. Parfait, mon souci. Du coup, la caution, les clés, tout ça, pas besoin? Je le laisse ouvert? Ouais, je sais pas. J'ai pas les clés là. Attends. Ah, t'as pas les clés? Bah, vas-y, laisse, t'inquiète, je vais le surveiller. T'inquiète. Si. Oh. Mais j'ai une clé. Wow. Attends, mais c'est normal, les feux ils s'allument quand tu. C'est incroyable. Oui. Oh, c'est trop stylé. Fais gaffe, il est full custom. Hein. T'inquiète. Ça monte vite. Pop, écoute, t'es vraiment un bon gars, je sais pas comment te remercier. Juste enlève ta casquette et les speedy. C'est un peu la honte, s'il te plaît. Ok. Et je mets ma petite casquette à l'envers, tu penses? Voilà. Tiens, regarde, hop là. Pourquoi t'as pas de cheveux? Je me suis fait raser. Hier à la prison. Ah, je me suis fait raser hier à la prison. Par un maghrébin. Ah, juste parce qu'il est arabe. Non, juste parce qu'il m'a coupé les cheveux, c'est pour ça que j'ai le seum. Tu sais, moi j'aime bien les arabes, j'ai rien contre eux. Ah ouais? Ouais, j'adore manger avec les mains. Oh. J'ai rien contre les arabes, j'ai déjà mangé du couscous. Bah y'a pas de chi. Allez, ok. Bah Pop, en tout cas, je te remercie énormément. Un gros bisou. Et t'inquiète, j'en prendrai soin. Pas avec ça. T'inquiète. Eh, si je pécho, je te dédie. Si je pécho, je te fais une dédicace. Mais baisse pas dans la voiture. Hein. Oh là là, regarde les clignotants, c'est incroyable. Ah, baisse pas dans la voiture. T'inquiète. J'ai jamais encore trempé la biscotte, ça risque pas d'arriver d'ici là. Oui. Salut mon pote. Eh, je te remercie, t'es vraiment le boss. Merci Pop. Oh, le gamos. Oh, le gamos, gros. Oh là là, le gamos. Ok, elle est où la grognasse blondasse là? Vas-y, qui se ramène le trio? Allô? Ouais, qu'est-ce que tu voulais? Ah, qu'est-ce que je te voulais? Je te demandais juste comment tu vas, le lâcheur. Bah écoute, moi je vais très très bien, je vis ma meilleure vie. Et je vais vous dire un truc. Ouais. Non, mais je vais vous dire un truc parce que j'ai remarqué, vous avez mal compris. C'est pas parce que, moi je compte pas toute ma vie, je sais pas avec le trio que je vais faire des gosses. Hein. Ça veut dire, c'est vrai, hier j'aurais dû vous prévenir, c'est vrai, hier j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça et tout, peut-être pas vous lâcher. Mais en fait, je t'explique, moi ça fait un an qu'on se connaît, Santana, Sam, tout le monde. Je vous ai jamais lâché. Ça veut dire que là, ce soir, si je vous ai lâché pour aller voir 64, c'est que ça valait le coup de vous lâcher pour aller voir 64. Ah, ça valait le coup. Ouais. Très bien. Bah écoute, je vais dire quelque chose. Quand je vais te choper, ça va valoir le coup aussi.
Santana, hey, écoute-moi bien, ok. Tu peux être toi, Sam, Gandalf, 21, vous pouvez même être Dooms, vous pouvez même être 10 contre moi. J'ai plus d'un tour dans mon dans ma poche. Eh, hey, vous êtes pas prêts, vous allez choquer. Oh merde. Faut aller voir les malades. Ouais. Ouais, et juste dernier petit truc. C'est toi qui va me supplier d'arrêter de me dire oh pardon, pardon Kyle, t'as gagné, t'es trop fort, Kyle, t'es trop trop fort. Eh ben, écoute, c'est bon, excuse-moi. Kyle, je vais dire quelque chose. Une dernière chose. La guerre est déclarée. Ouais ouais, ben bah, attends. Tu vas voir qui c'est qui va le danser le cachou cachou. Pétasse. Ok, du coup les gars, Kyle versus Santana, Dooms, Sam, Gandalf, 21. Oh merde. Oh merde. Là ça va aller voir les Maras. Bonsoir. Bonsoir. Je les ai vus en plus, hein. Bonsoir, ouais, comment ça va? 54. Bah il a un ami. Il a pas, il me l'a prêté. Qu'est-ce que tu fais avec le Tauros de 49? Il me l'a prêté. Tu l'as volé? Non, non, pas du tout. C'est pour aller voir une amie. Ouais, une amie t'a laissé tomber. Quoi? Tes amis. 21, toi tu parles trop, toi, 21 là. T'es une honte. 21, toi, t'es. 54. Oui, mon commandant. Si vous voulez pécho, c'est pas avec un Tauros. C'est avec quoi? Suivez-moi. Bah, moi perso, j'ai un petit scooter. Je suis capitaine. Mais attendez, vous avez. Commandant, pardon. Non, 21. Eh, 20. Eh, il essaye. Eh, 21. Eh, 21. Ok. Les gars, maintenant acting, c'est parti. 3, 2, 1. Mais on est où ici là? Et si votre nièce se faisait draguer, capitaine, vous feriez quoi, hein? Bah, je m'en fous, c'est ma nièce. Capitaine, vous habitez ah, ici? Bah, ouais, bon, bah, ça va alors. Commandant, pardon. Vite là. Ah bon? Bon, votre voiture, bon, ça va, c'est chic. On habite tous ici. Ah, vous habitez tous là? Non, fois, moi j'habite à poubelle là-bas. Ah, bah je suis jamais venu ici, toi non plus, hein, ouais, ouais, c'est la première fois que je viens là. C'est, bah, c'est la première fois, bon. Aussi que je viens ici. Tiens, tiens, tiens. C'est joli, hein. Oui, oui, mon capitaine. Vous allez pécho qui? Vous allez pécho qui? Wouah! Incroyable! Bah. Bon, par contre, je tiens comme à la prunelle de mes yeux, donc on l'a ramené au poste quand vous avez terminé. Incroyable! Mais elle coûte combien elle? Trop cher. Oh! Attendez, donc là je dois faire le choix entre cette caisse-là et le Tauros. Et mais le Tauros, je le mets où moi du coup? Laissez-le ici, vous venez à le récupérer. Mais c'est quoi, c'est une vous Ferrari savez. C'est la première fois que je vois une caisse comme ça, sérieux. Je sais pas la marque. C'est, ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est 6 mois de travail en étant payé comme un capitaine. Oh là 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 là, incroyable. Et vous me la laisseriez pour ce soir, mon commandant? Bah, si c'est pour pécho, allez-y. Hein. Oh là 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 là, oh là là, incroyable, commandant. Je suis un homme avant tout. Hein. Oh là là, commandant, vous êtes incroyable. Par contre, elle est vraiment magnifique. Hein. Pouah, 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 pouah. Oh, tu peux monter dedans? Et allez-y, prenez les clés. Oh là là. Bah, oh l'intérieur! Faut appuyer sur le bouton. Wouah! Lolo, c'est incroyable! Oh l'acting. Bon, par contre, si vous avez pas répondu à notre question là, 54. Oui, dites-moi. C'est pour qui? En fait, là ce soir, c'est. Comment dire? C'est. Chez Pomerguez? C'est pour une vieille, vieille connaissance. D'accord. Voilà. Elle est très vieille. Ouais, elle est vieille la connaissance. Là, c'est. Mais comment cette connaissance? Je sais pas, je peux pas trop dire après là. Allez, vous avez commencé, vous finissez. Hein? Ok, bon. Faut que ça reste entre nous. Hein. En Italie GTO, soit vous reprenez mon scooter. Ok, ok, non, c'est bon. Faut que ça reste entre nous. Mais ce soir, je vais pécho. Ce soir, je vais pécho Santana. Pardon? Quoi? C'est qui Santana? Bah, je sais pas qui c'est. 54, pardon? Pardon? Mais 21, pose pas de questions, s'il te plaît, là. Rends pas la situation déjà plus compliquée. Non, non, c'est pas ça pour problème. Oh la galère. Mais en fait, tu peux pas dire 54. Ça! C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de méchant, c'est vrai, je suis quelqu'un de tout gentil. Sauf que là, il se trouve que j'ai l'occasion d'être un peu moins gentil. 21, vas-y, repars en patrouille, s'il te plaît. T'as vu? Repars en patrouille, s'il te plaît, 54. Là. Oh là là, tiens, pour qui tu veux pêcher au Santana? Il me. Attends, que j'y réfléchisse. Oh, attends, laisse-moi réfléchir. Comment moi, je préfère qu'il pêche au Santana que Dis-moi. Ma nièce, hein. Ah ben, complètement d'accord, commandant, quand même, jamais j'oserais... Voilà. Ah, voyons. Bon, après, maintenant, je préfère terminer ouais. Avec un flic qu'avec un... Oh putain, j'ai trop de pouvoir d'un coup, je sais pas pourquoi, mais... Oh, waouh, wow, la voiture, waouh, wow, la voiture elle déconne, waouh, oh, ça va aller, 21, oh, putain, je suis désolé, j'ai appuyé sur l'embrayage, oh là là, ça va aller, 21, oh putain, tu t'es pas cassé une dent par hasard, tu peux pas fermer ta grande bouche par hasard, là. Par le plus grand hasard, tu t'es pas caché là, m'asseoir, tu peux plus parler, tu parles comme ça maintenant.
Non. Il voit pas de quoi tout. Ah bah voilà, on comprend plus rien. Ah bah on comprend plus rien, c'est ballot. Ah, 21, c'est dommage. Il va falloir que vous laissez partir. Hein. Ah ouais, bon bah bonne patrouille 21. On va rentrer tout ça dans la voiture, 21. Ouf. L'infidélité, c'est pas top, 54, et ça se sait toujours, 54, tout commandant, vous pouvez mettre le Taurus dans votre garage? Non, vous la ramenez au garage, au poste, ok? Ah, ok, et le Taurus, j'en fais comment? Parce que c'est 49 qui m'a pris. Ok, je vous remercie, mon commandant. Merci beaucoup. Merci, commandant, pour la passe D. Oh là là, en Gucci, frère. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable, gros. Oh, par contre, 21, c'est la merde. Oh, 21, c'est la D de fou, les gars. Oh, 21, c'est la dédouf. Oh, merci, tonton. Hein. Appel 21. Non, il faut pas, les gars. Ça va encore plus éveiller de soupçons. Elle est où? Juste l'envoyer des messages. Je lui dis, tu parles. C'est terminé. Pour toi, je serai ton pire ennemi. Voilà, des grosses menaces. Je serai ton pire ennemi. Ok, ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, les malas. Il ouvre mon contact. Tac. 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 Ok. Il faut aussi que j'aille à la banque pour retirer un peu de cash. Tac, tac. Ils sont où? Ils sont où? Swerté. Non. Il ouvre moustique. Il ouvre moustique, les gars. J'avais enregistré son numéro, moustique. Je te dénoncerai pas, mais pour 64, c'est pas top. T'as pas compris que je pouvais. T'as pas compris ma démarche. Je déteste Santana. Je déteste Santana. J'ai dit ça pour pas éveiller les soupçons. J'ai dit ça pour pas éveiller les soupçons avec 64. Et toi, t'as failli tout faire foirer. D'ailleurs, là, je monte une équipe. Pour aller tabasser Santana. Si tu veux savoir la vérité. Si tu veux savoir la vérité. Oh, 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 oh. En vrai, tu sais qu'il s'en fout si tu l'as pécho. Je te jure. Mais. Ouais, mais j'ai pas le courage. Peut-être quand je serai un homme. Et que je serai au fi 1. Ok. Du coup, on va aller à la banque, on va retirer un peu d'oseille. MDR, elle va poucave à Santana. Bah, c'est pas grave, frère. Même s'ils savent, gros, ça va les baiser. Ils sont pas prêts. Ils croient trop Kyle, c'est un bouffon, frère. Ils croient trop, c'est un bouffon alors que je roule en GTO. Allô? Allô? Ouais. Oui. Écoute-moi. Moi, je t'ai pas balancé, ok? T'es avec qui là? Je suis sortie dehors, j'ai dit Jure la vie de ta mère, t'es toute seule, y'a personne là. Non, je te jure, je te promets, je suis dehors. Tu m'as balancé, pourquoi tu m'as balancé? Non, mais je t'ai pas balancé, mais sur le coup je pensais vraiment que... Non. Bref, c'est pas ça. En fait, il m'a dit tu vas date qui? Je pouvais pas dire sa nièce. Je pouvais pas dire merci commandant de m'avoir prêté votre plus belle voiture, je vais aller date votre nièce. Je peux pas. Du coup, il m'a dit il va pécho qui? J'ai dit ben je pensais qu'il était d'abord avec Santana, j'ai inventé un truc, mais j'ai dit voilà quoi, moi j'en sais rien, et puis il va peut-être aller voir une autre, mais je sais pas c'est qui. Ok. Par contre, mais c'est pas ça le problème, par contre, il y a un problème. C'est quoi le problème? Mais je vais en gros, il a quand même des soupçons que ce soit avec 64. Oh. Oui, il a du coup. Et il a dit un truc, mais je sais pas si je te le dis. Je te promets, c'est pas de ma faute. Tout ce que je te dis, c'est la vérité. Je te 21, jure, je vais pas 21, mentir. Je te jure, si tu m'as mis dans la merde. Je te jure, si tu m'as mis dans la merde. Tu vois l'équipe que j'ai montée pour Santana? Elle va se finir sur une autre personne. Ok, vas-y, dis-moi. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai essayé de brain, tu vois. Vas-y, dis-moi, il a dit quoi? Je lui ai dit, je sais pas qui va d'être. Il m'a dit, c'est pas grave. Je lui dirai, j'ai envoyé à 64 que s'il y a une voiture qui est pas là, c'est parce que. 54, il en avait besoin pour aller date une Santana. Oh mais bordel de merde! Mais j'ai essayé de te couvrir, mais j'ai pas réussi! Mais il non! Il a envoyé le message! C'est le pire scénario possible! Parce que pense que je date une autre personne. Mais oui, je sais, mais oui, et le pire c'est que, en plus, c'est grave possible hein, que ce soit réaliste. Bon, pour moi, si j'étais elle, j'irais te taper direct parce que je croirais. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu dises que tout ça n'est qu'une supercherie.
Vite, dépêche-toi. Je vais... à qui je le dis mais que je... tout ça, c'est Kunsu Perchuri. Eh, hey, t'es mais bien gentil, toi. Mais tu me demandes à moi, j'ai jamais été en couple de ma vie, là. Tu me demandes à moi, t'es sérieux? Mais le problème, t'es c'est pas ça, c'est qu'en fait, elle est partie 4 jours. Elle m'a dit, si tu reviens, si je lui dis, si oh je reviens là après là ces 4 jours là et, que j'ai, et que j'ai date une autre meuf et que je t'ai trompé, tu vois. Elle m'a dit, tu fais quoi? Oh là là là. Elle m'a dit, je fais tout pour te faire virer de jouer les Speedy. Je dis tout à mon tonton et tout, et nous deux, c'est mon terminé. Dieu. Tu m'as mis dans la merde, 21. Tu m'as mis dans la merde. Tu sais ce qu'il va falloir que tu fasses? De toute façon, il va pas le prendre mal, il a dit... J'ai dit, alors ça ferait quoi s'ils étaient ensemble? Il m'a dit, j'en ai rien à foutre. Donc il faut que tu dises, il faut que tu dises au capitaine que tu l'aimes pour de vrai, et comme ça il va réparer. Mais je peux pas, j'ai pas les couilles. Mais j'ai pas les couilles de le faire. 54, c'est ta vie qui en dépend, là, tu m'entends? Mais je peux pas dire au commandant que je veux pécho sa nièce, tu te rends compte? Oh là là, mais c'est horrible, oh là là. Oh là là, le scénario, il est horrible. Si tu le dis pas, c'est moi qui vais le faire, et je vais faire ça en 12 heures. Arrête, 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 cette décision me revient à moi. Je peux pas dire au commandant, écoutez-moi monsieur le commandant, j'ai mais envie de me taper votre nièce. C'est un peu. Mais non, mais oh, tu peux putain. Pas dire ça. Tu dis que tu l'aimes bien et que vous traînez beaucoup ensemble, c'est tout point barre, mais qu'il n'y a pas de Santana que vous vouliez cacher parce que vous aviez peur de sa réaction. Parce que t'avais peur de sa réaction, c'est tout. Je te jure, ça va passer. Parce que là, tu vas perdre 64, Santana, ton boulot et probablement l'usage de tes bras parce qu'il va te les casser. Parce qu'elle va te les casser. Enfin bref, t'as compris. Eh vas-y, qu'est-ce qui m'empêche là de... Qu'est-ce qui me retient de pas monter une équipe et de venir t'attendre en bas de chez toi là? Moi? Ouais, ouais, bah c'est ta faute. Tu... Eh, pourquoi t'as parlé? Mais pourquoi t'as... Mais j'ai rien dit. Mais pourquoi tu disais... Kyle. Oh, Kyle, oh là là, mais Kyle, je comprends pas, je pourrais être méchante, je pourrais... Oui, parce que j'ai vraiment cru. Je me suis dit, attends, elle est pas là. Je me suis dit, mais pourquoi il sort une coachée alors qu'elle est pas là? C'est qu'il va vraiment draguer une meuf, en fait. Donc moi, je voulais protéger ma meilleure amie. Et pourquoi tu m'as pas prévenu avant de la supercherie? T'as un putain de téléphone, faut t'en servir, Kyle. Allô? Ouais, je suis en train de bouffer. Bon, il faut que tu fasses quelque chose, vraiment. Écoute, je vais réfléchir à ce que je fais. Je vais réfléchir, je te rappelle. Par contre, tu m'as mis dans une sacrée merde, 21. Alors non, toi, tu m'as mis dans un sacré bourbier. Mais... Hein. Vas-y, y a pas de galère, je retiendrai. Eh, hey, je vais dire un truc. Continue à être du côté des autres, en plus, c'est bien. Mais c'est je suis pas du côté des autres. Eh, hey, Kyle, j'ai pas de... Eh ben alors, si t'es de mon côté, rejoins-moi au LTD dans un quart d'heure. Mais je peux pas, j'ai ma formation. Après la formation, elle dure pas longtemps. Si tu veux te rattraper, rejoins mon FC Kyle. Vas-y, bah je... Non mais y'a pas de FC Kyle. Non, moi, non, je, non, non, je veux non. être là pour moi, tout j'ai, le monde. Moi j'ai besoin d'une infiltrée. J'ai besoin d'une infiltrée, tu es la meilleure personne possible. Alors si tu veux te rattraper, tu vois. Si tu veux te rattraper, si tu veux avoir la conscience tranquille, retrouve-moi, appelle-moi. Tu veux qu'on fasse un deal? Quoi? Vas-y. Tu m'apprends à devenir populaire et moi je te rabiboche et je t'arrange les bidons avec le capitaine, d'accord? Et du coup tu trahis le FC des autres, tu serais mon infiltré. Non, bah non, je serais pas un infiltré. Bah ça m'intéresse pas moi, moi je veux que t'infiltres mes ennemis. Quoi? Moi je veux que t'infiltres mes ennemis moi. Je veux avoir un tour d'avance sur mes ennemis et que tu me rabiboches avec le commandant S64 toi. En fait, tu sais, je t'explique, la guerre, c'est de la stratégie, 21. Oui, je sais bien. Mais moi, je suis pas de la stratégie. C'est aux personnes de l'ombre, comme toi, tu sais que les guerres, elles se gagnent. Par exemple, la 4ème grande guerre ninja, Naruto, je crois, c'est que grâce à Naruto que tout a... Non, non c'est bien. Tu vois, c'est Orochimaru contre, aussi. Ouais. Du coup, moi, je suis... Moi, de toute manière, je te fais confiance. Oh, qui c'est qui m'envoie ce SMS, là? Oh, je crois que c'est Sam. Oh là là, t'envoyais quoi? Oh là là. Eh, 21, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. 21, c'est maintenant ou jamais. Choisis ton camp. Eh, oublie pas que moi, tu m'as porté énormément de préjudice. Là, t'as ma carrière, t'as ma vie et t'as ma relation entre les mains. Voilà, en train de rappelle-moi. Me mettre mon putain d'ultimatum parce que je culpabilise Kyle. C'est dégueulasse. Rien à foutre. Mais je culpabilise. Quoi? On bat les couilles, moi. Non, rappelle-moi. Dis-moi que t'as pris. Et j'espère que t'as pris la bonne décision. D'accord. Ciao, Noria. Réfléchis bien. Ciao. C'est un film, le délire. Je suis choqué. Ok, là maintenant, ça va être le moment d'aller voir les autres. On va retirer aussi un peu d'oseille. Image Shamsous. 64, c'est bien. Le trio, c'est bien. Mais si tu parles les deux, c'est chaud. Haute. Si tu perds Noria aussi. Oh non, je peux pas, ça va cramer ma carte. Et putain. Si tu penses que j'ai aucune carte.
Si tu penses que j'ai aucune... Si tu penses que j'ai perdu d'avance, tu te trompes. Ok, du coup, dans l'ordre, on doit aller parler à notre cher... C'est ce soir, t'es en plan bizarre. Ouais, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Allô ? Oh, 54. Ouais, c'est qui ? C'est Mosquito. Ouais, Mosquito, putain, ouais, écoute, j'allais t'envoyer un message. J'ai un truc de fou pour toi. Ouais, vas-y, raconte. Ta gueule. Je te jure, j'étais en train de t'appeler. Pardon. J'ai un truc de fou pour toi. Dis-moi. En fait, il y a Santana qui a appelé Paco. Ouais. Et elle lui a dit, ouais, j'ai besoin de vous pour niquer 54. Quoi ? Et elle nous paye. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre sa plata. Oh ! Déjà, j'ai forcé Paco à être. Avec toi. Oh, t'es un monstre. Oh, t'es un monstre. Attends, est-ce que je peux te faire confiance, Mosquito ? Oh merde. Bah oui, mais payons-moi par contre. Oh merde, attends. Attends, je veux voir combien ça elle me paye, je te dis. Ouais, ouais, écoute-moi bien, je mets le double de ce qu'elle met, ok ou pas, Mosquito ? Le double. Okay, d'accord. Juste, s'il te plaît, vous me les mettez tous à genoux, ok ? Au moment où vous allez me taper. Un scénario de fils de putain. Ouais, t'inquiète, au moment où vous allez me taper, vous me dites, patron, on vous les a tous ramenés, ok ou pas ? Netflix, mon sous. C'est bon ou pas ? Le patron, j'hésite. Je te jure, tu dis patron, je rajoute la quicheta. C'est bon ou pas ? Ok, d'accord. Oh, faites-moi le cul, Mosquito. Vas-y, fais le taf, putain, tu me tiens au courant, vas-y, bisous. Oh là là, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Mais t'as 0$, frère. Ouais, t'inquiète, gros, t'inquiète, on va bluffer. T'inquiète. Ça, un service comme ça, ça coûte combien ? 1000$ ? Oh là là, ça peut être incroyable. Netflix, oh là là, c'est incroyable, les gars. Gamingo, tu voudrais t'attacher ? Ouais, je m'attache. Le taurus, il est où ? Je l'ai mis dans le... Je l'ai ramené au LSPD. On est confiant. Hop là, Sam. C'est parti, la ref. On est confiant. Quoi, ça se dit pas comme ça ? Ça se dit comment ? Gandalf, il est où ? Ok. Les gars, je vais essayer de ramener Gandalf avec moi. Allô ? Gandalf ? Tu veux quoi ? Écoute-moi bien, Gandalf. Gandalf, écoute-moi. Là, ce que je vais dire, il faut vraiment que ça reste entre toi et moi. Écoute, le truc là, c'est que c'est le trio. Je vais dire un truc, ok ? Le trio, c'est grâce à qui que tu l'as connu ? Sam et Santana. Hein ? Non, mais. Qu'est-ce que tu veux me dire, Kyle ? Écoute-moi, Gandalf. Tout ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, Sam et Santana, ils sont ensemble, tu vois. Ouais, ils sont ensemble, c'est le trio. Et moi, je vais dire un truc. Là, dans l'histoire, toi, Gandalf, je vais dire. Ils vont encore t'utiliser. Ils en ont rien à foutre de toi, tu vois. Moi, je vais dire, Gandalf, j'ai besoin d'un mec de confiance. Sam, il était pas là pendant une semaine. Santana, elle était pas là pendant une semaine. Qui c'est qui restait tout le temps ensemble ? C'était toi et moi, mon frère. Kyle. Quoi ? Tu veux que je te dise un truc ? Pourquoi tu me dis mon frère ? Me dis pas mon frère. Mon frère, moi, j'avais besoin de mon frère hier. Le chat, soyez pas naïf, c'est fait exprès. J'avais besoin de mon frère. Hey, Gandalf. Tu sais très bien pourquoi je suis allé faire ça. Il était en train de tremper la biscotte, mon frère. Non, tu sais très bien pourquoi j'avais besoin de faire ça. Sam et Santana, ils sont arrivés comme des fleurs et tac, ils réclament des comptes. Moi, je te dis, Gandalf, le seul moyen, justement, pour que, entre guillemets, tu te démarques, c'est maintenant ou jamais, Gandalf. Sois pas un mouton, suis pas Sam et Santana. Eux, ils sont juste vexés parce que j'ai pas passé la soirée avec eux. Mais toi, tu sais très bien à quel point on a galéré pour avoir cette soirée avec 64. Et tu sais très bien à quel point c'est compliqué avec le commandant et tout. Toi tu le sais, toi t'étais là. Et je vais dire un truc, le seul qui était là quand moi j'étais solo, c'était toi, Gandalf. Ça veut dire rejoins ma cause. Moi je suis tout seul là, tu vois. J'ai personne. Et toi tu vas suivre les autres comme un mouton ? Comment ça je vais suivre les autres comme un mouton ? Vas-y, pourquoi t'es avec eux ? Explique-moi. Mais je suis pas avec eux. Et t'es avec qui ? J'ai eu une galère, j'ai eu un accident au LSPD, mon frère, je l'ai pas vu mon frère. Quand j'ai eu mon accident, j'ai eu une commotion cérébrale. Putain, merde. Et pourtant, mon frère, je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il était avec une autre gonzesse, je sais pas. Gandalf, en fait, je t'explique. 64, c'était son dernier soir, tu vois. Moi, je vais dire un truc, Gandalf. Oui. 64, c'était son dernier soir après je sais pas combien de jours, tu vois. Et je devais absolument lui parler parce qu'elle me disait, ouais, parle-moi, tu me parles pas. Tu vois, mon sous, moi, j'ai grandi, j'ai mûri. Je me suis dit, là, c'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion, mais il y a parler et parler, Kyle. Let's go! Let's go! Le message de Noria, il est incroyable! 1h30 pour parler à une gonzesse. Sam, il s'est fait taper. Mais moi aussi, je me suis fait taper. Gandalf, je veux juste te poser une question. En vrai de vrai. Genre, là, normal, ça te dérange pas que je sois tout seul face à tout le monde?
Genre là, je vais me faire tabasser, je vais me faire humilier. Ils vont balancer pour 64 au commandant. Il va m'arriver que des broutines, je vais sûrement me faire virer. Et je suis tout seul, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de caisse, j'ai pas d'allié, j'ai personne. Et tu me laisses tout seul dans la merde, Gandalf. Écoute, réponds-moi juste oui ou non. Écoute-moi. Tu veux m'écouter ou quoi? Vas-y, je t'écoute. Le truc, c'est que moi, je suis pas dans ces guéguerres, tu vois. Tu me connais, je suis pas dans ces guéguerres. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te propose à toi. C'est que moi, je suis... Le truc, c'est moi que je suis vexé par rapport à hier, tu vois. C'est pas comme si je suis vexé par rapport à hier, je vais t'en ça mettre à la gueule. Ça serait incroyable si j'ai Noria et Gondol. Parce que tu nous as laissé tout seul, et plus particulièrement moi, puisque pendant une semaine, je t'ai pas laissé tout seul. T'étais en galère, j'étais là, t'avais besoin, j'étais là, j'étais comme... voilà. Et toi, la seule occasion hier, la gonzesse qu'on a charbonné à deux, tu restes 1h30 avec elle et quand j'ai une galère, t'es tu pas vas danser le catchou-catchou, mon sous, crois pas. Écoute, Gandalf, t'es vexé. Les grands hommes, il faut qu'ils parlent, tu vois, il faut parler. Même DJ Deschamps et Benzema, ils ont parlé. Ça veut dire, on va parler. Gandalf, je suis désolé. Ok, là, je te dis le D-word, je suis désolé pour hier si ça t'a vexé. Ok, mon sous. Maintenant, il est hors de question que je m'excuse envers Santana ou Sam. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient pas là pendant une semaine à galérer, tu vois. Toi, t'étais là. Ça veut dire, c'est toi qui décides, mon sous. C'est toi qui décides. J'ai aucun allié. Et t'es le premier à qui j'ai pensé. Comme je t'ai dit récemment, t'es monté dans mon estime, Gandalf. C'est maintenant. Rappelle-moi, mon pote. Je te rappelle. Allô? Oh, Seigneur, c'est maintenant. Je sais pas si tu fais quoi là. Tu m'envoies la position, c'est quand tu veux. Hein. Non, justement, toi tu vas écoute le plan. Moi je te propose un truc, si t'es la meilleure, tu me proposes. Vas-y, dis-moi, y'a qui là? Il faut Sam Santana. Y'a tout le monde. Est-ce qu'ils sont combien eux? Il faut Sam Santana et Gandalf. Ok, d'accord, mais normalement ils vont venir à 3 Sam Santana et Gandalf. Parfait, tout se passe comme prévu. Bref, ce qu'on va faire. Dis-moi. Tu me donnes un point de rendez-vous, on arrive, on se cache tous. Ok. Vous parlez d'homme à homme et tu lèves tes bras, je sais pas, tu fais ce que tu veux, on arrive tous en même temps, on se met derrière toi à genoux et on dit pas trop, c'est maintenant, c'est bon? Ok. Vas-y, ça marche. Attends, mais le truc, c'était pas que en mode vous êtes avec eux et après justement. Ou bien si tu veux, on arrive avec eux. Arrivez avec eux, ok. Et après, okay. Vous me mettez en mode vous êtes avec eux. Côté, genre. Et au moment où je dis. Vous pensez vraiment, genre à un moment je donne le signal et là tout le monde se met avec moi. Ok, donne-moi le signal, c'est quoi le signal? Le signal ça va être... Monsieur, c'est pas un emplacement de parking ici, circuler oh, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais circuler, désolé. Ah, c'est 54. Le signal ça va être catchou-catchou, ok ou pas? Quand j'ai dit le mot catchou-catchou, c'est le signal, ok ou pas? Ok, d'accord, vas-y, donc là c'est dans ta position. Hein. Parfait, je t'envoie la position tout de suite. On arrive avec eux. Vas-y, est-ce que tu vois c'est où l'endroit en face du Bénis? Vas-y, je t'envoie. Ouais les mecs, ouais c'est Kyle. C'est Kyle. C'est le patron, c'est le patron. Je vous envoie la position dans... Oh putain, c'est normal qu'il me... Ah Kyle, mais ouais. Ah mais j'ai un peu peur les mecs là, j'ai un peu peur quand même. On est avec toi. Eh les mecs, je vous envoie la position dans 30 secondes. 30 secondes. Accélère. Vas-y les gars. Oh là là, c'est incroyable, j'ai une armée avec moi les gars. Oh c'est mortel. Non mais ça c'est abusé les gars. Et là les gars, ici, bam, avec la caisse du commandant. Ça, que de demander de mieux frère. Oh là là, le patron gros. Oh le patron frère. Ici les gars, pour tous ceux qui ont la ref à la V1, c'est ici. C'est ici les gars. Ceux qui n'ont pas connu Minisous avant les gars, cet endroit en gros c'est l'endroit où c'est la où ça a été la plus... Ça a été la plus grosse humiliation entre guillemets de Kyle. Genre il est venu ici, il a dansé le catchou-catchou. Et depuis il n'y a jamais eu de vengeance. Oh là là, c'est incroyable. Hop là, position. Dans 5 minutes tu dois te rendre avec eux. Et les Mara, pose pas de questions. C'est important. Dans 5 minutes. Hermanos est là, dans 5 minutes. Ok. Il faut 4 personnes. Santana, Sam, Gandalf et Noria. Ah mais non, je crois qu'elle a sa forma. Ah merde, je crois qu'elle a sa forma, ouais. Oh putain, je crois qu'elle a sa forma. Si Noria est pas là, c'est pas grave. Si Noria est pas là, c'est pas grave. Je crois qu'elle a sa forma. Hop là, position. Tag, prendre une photo. Je vais mettre en selfie. Hop là. Tac, et je lui envoie ici aussi.
Je vais lui dire, il faut que vous veniez par là. Il faut que vous veniez par là. Venez par là. La vieille tête. Eh mon sous. Eh mon sous. Dans le contrat, tu dois me trouver BG. STP. OMG, la présidente panique. Le plan réussi, les gars. Prédiction, oui, nous fail. Oui, nous lose. J'espère les maras sont vraiment avec toi. Mais c'est ça en fait. Tout va dépendre de si les maras sont vraiment avec moi ou non, tu vois. C'est ça le bail. S'ils sont pas avec moi, je suis baisé. S'ils sont contre moi, s'ils sont avec moi, c'est la meilleure scène de l'humanité. S'ils sont contre moi, je vais venir, je sais pas d'où, en équipe. Ok. Ok, chef. T'as pas de thune pour les malas, ils vont voler ta caisse. Si, je vais leur dire, venez, on va au guichet, les malas. Très bon travail, je leur dis, je vous envoie. Je passerai l'argent à Moustique. 100%, ils baissent les deux. Le plan est trop incroyable pour qu'il soit pas avec toi. Ouais, je suis d'accord. Dans les deux cas, la scène est masterclass, de ouf. Mais en fait, là, je prends un risque énorme, les gars, en fait. Je prends un risque énorme dans le sens où. Attendez, du coup, j'ai appelé Gandalf, j'ai appelé Sam, je vais appeler Santana. Ok, je lui dis, préviens-moi quand vous partez. Préviens-moi quand vous partez. Wesh. C'est normal ça? Préviens-moi quand vous partez. Hop là. Du coup, j'ai juste pas eu Sam, les gars, pour le moment. Sam. Oh là là, le coup de poker, con. Allô? J'écoute. T'as enfin décidé à te répondre? À me répondre? Depuis tout à l'heure, je réponds et tu me répondais pas. Non, depuis tout à l'heure, je t'appelle, tu me réponds pas. Bref. Okay. Bref. T'as pris ta décision? Qu'est-ce qu'il veut, le chauve? Donc, toi, maintenant, tu marches avec Santana? Moi je marche avec personne, je marche tout seul maintenant. D'accord, et t'es de quel côté? Moi je marche tout seul, je suis avec personne. Oui mais d'accord, mais je vais te répondre à ma question, t'es de quel côté en fait? Est-ce que t'es avec moi ou t'es contre moi? Je suis pas avec toi, je suis pas contre toi, je suis pas... Laisse-moi tranquille, moi je suis pas dans vos histoires, rentre chez toi, t'as pas envie de traîner avec nous, bah prends ta tête, tape là contre le mur, défonce-toi la tête avec le mur, t'as envie de traîner avec nous, bah traîne avec nous, t'as envie de te faire plumer par une meuf, bah fais-toi plumer par une meuf. Tu crois vraiment que je vais me faire plumer par une meuf? Mais en tout cas, tu vas te faire plumer par une meuf et en plus t'as plus de plumes sur le cerveau aussi. Je vais te dire un truc, Sam. Quoi? J'ai une longueur d'avance. Ils arrivent. Ils arrivent, les gars. Ils arrivent. Ouf! Pause, il faut que je me mette contre le mur. Ils arrivent, les mecs. Oh, ils arrivent, les mecs. Allez, champion, c'est maintenant. Petit F3 pour la scène. Attends, je vais lui dire, fais semblant. Moustique, il est où? Fais semblant, hôtel, que vous êtes seul. Que vous venez seul. Ok, les gars, en fait, là, juste pour vous contextualiser un petit peu le truc. Allô? Allô? Ouais, du coup, oui. Comme on avait parlé au téléphone, c'est good pour toi? Si, tout est bon, là, on arrive. Ok, vous venez bien seul, hein. J'ai l'argent avec moi. Hein? Oh, fais semblant. Vous venez bien seul, d'accord? Et là, l'objectif de ce rendez-vous, en gros, c'est qu'il faut que je vous parle d'une histoire. Bref, j'ai quelques problèmes, j'ai besoin de vos services. Ok? Ouais, vous venez à l'endroit bien seul, je compte sur vous. Ouais, vas-y, t'inquiète, on arrive dans une minute, même pas, 30 vas-y, secondes. Vas-y, ils sont avec toi ou pas? Tous, une fois, s'ils sont avec toi. Une fois. Tous, une fois, s'ils sont avec toi. Fais, s'ils sont pas avec toi, fais tous deux fois. Ok, parfait. Ok, je te rappelle bien que... Ok, ils sont avec eux. Oh, ils sont avec eux. Ok, ils arrivent. Ils sont là. Mettez-vous derrière, là-bas, les côtés derrière. Les mecs, vous êtes pas venus seuls, les maras? Seigneur, tu vas me suivre. Pourquoi? Suivez-moi. Pourquoi vous êtes pas venus seuls? Comme là, avance, là. Avance! Attends, mais il est où? Il est là, Moustique? Bon. C'est quoi cette couille? Oh, vous voulez pas me suivre? Les gars, j'ai eu Moustique au téléphone, normalement, je suis censé parler avec lui.
Eh, restez tous là. Oh, le poulet bizarre, vas-y, viens me voir. D'accord. Attends, mais. Y'a une couille là, vous étiez pas censé venir seul, c'est qui là avec la prime en noir? Et t'es dit. Et... Non, mais t'inquiète, je fais semblant, fais semblant que de base. Je fais semblant, putain, la mise en t'es trop fort, j'y croyais vraiment. En fait, tu fais semblant. Ouais, t'inquiète. En fait, tu fais semblant. Écoute, je vais tous les réunir. Ouais, toi, tu vas à gauche, nous on va tous à droite. Et quand tu dis. En fait, tu fais semblant que tu m'as baisé en fait, que c'est Santana qui a gagné. T'inquiète, vas-y. Todos, venez tous me suivre. Tous les marins et les autres, suivez-moi. Les autres, oh la côte noire, vas-y, venez. Vas-y, le Poyos, mets-toi à gauche. Ça y est, j'ai compris, ça y est. Là, vous avez vraiment pas de parole, vous avez vraiment aucune parole, les marins. Ta merde. Oh, calmez-vous sur les mots. Vous derrière. Je sais très bien qui est avec vous, hein. Vas-y, ça me dégoûte la tête. 4 les 5 là, comment vous appelez? Ouais, je sais pas. Ok, les gars, l'acting. J'ai l'air de parler plus fort. Les 4 et les 5, là, vous restez à côté de moi. Et pour l'instant, on va parler. Ça y est. Eh, Moustique, t'as vraiment aucun honneur. Je t'ai demandé, je t'ai dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir tes services pour justement me défendre contre Santana, la personne qui est là? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec elle? Mais encore. Oh là là, vas-y, bref, vas-y. Vas-y, Santana. Bravo, tu m'as baisé. Qu'est-ce que t'as à me dire? Je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Bravo. Au moins, on voit que les Maras, ils ont pas de parole, hein. Bref. Écoute, je sais pas pourquoi tu parles des Maras. Je veux dire quelque chose, Kai. Tout à l'heure, tu m'as provoqué. Tu m'as dit que j'allais regretter. C'est ça? On est bien d'accord? Ouais. Oh, pour l'instant, personne tape personne, hein. Parle vite parce que je dois péter des gens là. Je vais dire quelque chose. Refais, moi encore une chose comme ça. C'est Kyle là, c'est que le début de la guerre. Je te montre juste en avant. Est-ce que t'avais besoin de ramener tout ce monde là? Je comprends pas. Je te dis juste une seule chose. C'est juste l'avant-goût. C'est juste un avant-goût? Ouais, c'est juste un avant-goût, ouais. T'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire, tais-toi. T'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Tu me laisses même pas parler, tu me dis tais-toi. Et moi quand on me trahit, je fais payer aux gens. Putain, c'est très croyant. Dis-moi ce que t'as à dire. Tu te rappelles de cet endroit? Ouais. Qu'est-ce que tu m'avais fait? Je t'ai braqué avec une arme sur ta tête. C'était ici où tu m'avais fait danser pour la première fois? Ouais. Et là, t'es venu accompagné de toute une équipe pour me menacer à moi alors que je suis tout seul. Eh bien, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, c'est toi qui vas danser le Cachou Cachou Santana. Hermano. Putain, ça chie. Réfé. Oh, c'est incroyable. Je tourne ma veste. On t'aime. Patron, on t'aime. On t'aime. Vous allez me suivre, vous deux. Dooms, Santana, son petit pote là, et Gandalf. On va aller là où vous m'avez fait danser le Cachou Cachou pour la première fois. T'es prêt, c'est ça, mais je sais pas moi, Cachou Cachou. Et dis-toi, je suis même pas énervé. Vas-y, Santana, vas-y. Voilà. Cachou. Ok, pour des raisons de... Ouais, je peux pas mettre plus, mais voilà. Désolé, c'était court, intense. Les Maras, je vous envoie votre argent. Je vous envoie votre argent directement. Il est où, Moustique? Il est où, Moustique? Je suis là devant toi. Vas-y, Moustique, viens monter avec moi dans le Gamos. Là, hop là. D'ailleurs, petite information, le commandant en personne m'a prêté son véhicule, hein, si jamais vous demandez à qui il est. Du coup, voilà, même vos menaces avec 64, elles tombent à l'eau. Bon, vas-y, viens, Moustique, je vais te donner ton oseille. Si vous payez plus que lui, on le baise. Viens, on va vite aller à la banque là parce que j'entends des trucs. Viens, vite, on va à la banque. Viens. Non, en vrai, non. C'est moi le grand descendant qui décide, donc vas-y, va vite donner la plate. Vite, toi, t'inquiète. Eh, vous avez été parfait, les mecs. Incroyable. On aurait dit Game of Thrones, le truc. Incroyable. Ok, y'a un guichet ici, non? Y'a un guichet? Y'a pas de guichet là? Non, je crois pas. Ok, tu me connais où c'est qu'il y a un guichet? Dans une banque. Oh, mécano. Ouais, mécano, je crois. Montez tous dans les coachés. Bénise. Et après, venez me chercher au mécano. Oh les gars, la scène, cool, c'était très bien. C'était incroyable. C'était cool. Allo Gandalf? Ouais, Kyle. T'as compris maintenant vers quel camp il faut te mettre ou pas? Qu'est-ce que tu me racontes?
Je les ai tous fait danser le cachou-cachou, les maras ils étaient avec moi. Mais non. Dors. Mais t'es où toi là? Je suis avec le un grand des marabunta. Je suis en train de voir avec eux. Faut qu'on parle, okay. Ouais. Ouais. J'espère que t'as pris ta décision, Gandalf, on en parle plus tard. Je t'ai occupé, je te rappelle. Ok, viens Moussik. Qui veut me chercher au mécano, s'il vous plaît. Bon Moussik, on va parler tarot. Tu penses, si ce genre de service, tu le factures à combien? Bon les cochonnets, je l'ai fait parce que c'était drôle. Donne ce que tu veux. Ok, vas-y. 1000$, ça te va? Tiens, mes fesses. Tiens, prends. Ah, 2000$? Elle a donné combien? Tu m'as dit le double de ce qu'elle donne. Elle a donné combien? Elle a donné 10 000. Elle a donné 10 000 dollars? Si. C'est pas vrai? C'est de ma mère. Oh, c'est la merde. Tu prends 5 000, c'est bon 5 000? Eh, je te jure, je t'explique, Seigneur, j'ai pas encore ma prime. Attends, non, mais moi après c'est de l'argent qui sort de mon compte. Ça fait combien? 10 x 2, ça fait combien? Putain, écoute. Je vais te donner, ok, et je te donnerai le reste plus tard. Ok, Paco? Moustique, pardon. S'il m'appelle Paco, bon, ça sera 10 500. Hein. 10 500? 20 500 du coup. Paye. Putain. Paye, donne. Mais c'est cher quand même là. Les mecs, je vous donne 5000 maintenant. Et après, je vous donnerai le reste plus tard, c'est bon ou pas? Bonsoir, non. Hey, y'a aucune vanne, j'ai 10 000$ dans mon compte. Hein. Donne la putain de ta mère, 5000, il me rend fou. Putain, mais c'est super cher vos services. Pour nous faire pardonner, mon grand, je te rends tes lunettes. C'est que t'as dit que tu donnais le double de 2. Non, ouais, mais je savais pas, elle allait donner 10 000. Oh putain. Ouais, mais au moins, les gars, y a aussi, vous avez aussi un bon agent de police dans la poche. L'agent? Eh ouais, c'est ça, moi je suis un bon flic, hein. Tu fais la liaison avec le N et le agent? Un bon agent, ouais. Cool. Tu l'écris comment, du coup? Bah, N-A-G-E-N-T. Nagent. Genre nage. Ouais, tiens, les 5000, tiens. Pour le compte. T'as quoi sur ton compte, en fait? J'ai rien, je te dis, ça fait pas longtemps, je suis j'ai pris mon service, je suis que cadet encore. Bref, je m'en fous un peu, pas de mentir. Vas-y, tiens. Tiens, Seigneur. Eh, je te rendrai le reste plus tard, t'inquiète. Fais-moi confiance. Dès que j'ai les moyens, je te donne l'oseille, y'a pas de galère. T'as mon hume de toute façon. Oh, parce qu'on parle ensemble, on est des trous du cul, moi et toi. Donc, écoute ce que je t'ai dit. Dis-moi. Besoin de compter ou je te fais confiance? Non, fais-moi confiance. Sérieux, tu crois vraiment que je suis pas réglo, moi? Eh, vous avez été réglo avec Santana, je suis réglo avec vous, moi. Y'a pas de galère. Allez me chercher des balles. Ce moment-là m'a procuré un plaisir intense, tu vois. Un plaisir que j'ai en moi depuis un an maintenant. Alors merci. Merci, Moustique. De rien. Je te fais la bise. Bise. Et on se voit la prochaine fois. Salut. Grâce à Seigneur. A plus. Voilà, Marouille, ta mère. Allez, merci pour les services, hein. Au revoir. T'inquiète. Putain, quel plaisir, sérieux. Oh putain, yes. Et merde, je suis endetté. Bon, c'est pas grave. Ça valait le coup, pas les gars, pour les 5000. Ça. Parlons perso. En termes de scène, tu vois. En termes de scène et de RP pour Kyle. Est-ce que ça valait le coup? En ça, de fou, hein, large. Oh le plaisir, les gars, mais j'avais la voix qui tremblait tellement j'étais heureux, gros. C'est la meilleure scène que j'ai jamais vue de Minisus, gros. Oh comment ça, Santana, elle était trop heureuse. HRP, que t'aies réussi à te défendre. Ah mais de fou, hein, même elle était saucée. Ouais, dommage, t'as pas tué Santanux. T'es trop gentil. Non mais après moi, je suis pas dans l'humiliation, les gars. Je suis dans la victoire et une fois qu'on a gagné, c'est pas grave, on s'amuse, tu vois. Mais là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Faut dire les termes, j'ai gagné, les gars. Comme ça, on l'a pas appelé. 1-0 pour toi, bien joué, à demain. Oh putain, oh c'est trop jouissant. Oh putain, j'aime trop. Oh dans mes veines les gars, oh c'est incroyable. Oh bordel de merde, c'est trop incroyable. Oh je kiffe ma vie. Oh bordel dans mes veines, sérieux. Oh dans mes veines, c'est trop bien. Juste Doom, je vais aller l'insulter là, ce petit suiveur. Ce petit mouton. En plus il me répond même pas. 356. 356, 338. En fait, les gars, il me faut un indique, tu vois ce que je veux dire? Il me faut un indique, il faut que je propose à tous ceux qui sont avec Santana. Comme ça, même elle va douter de tous ses compagnons, tu vois. Ça veut dire, même Doobs, les gars, ça va lui retourner le cerveau. On va les détruire de l'intérieur, gros. Ils ont aucune chance. Eh, les gars, je vous ai dit, Kyle, c'est plus comme avant, frère. Kyle, c'est plus comme avant, ça a géchant, gros. Juste vous rappeler de son hume ou pas? 356. 338. 356, 338. Non, y'a pas un mouton là? Mouton. Je suis un bâtard, mais ça, si un. Oh putain. Dooms.
Ok. Hop, ça c'est fait. Tac. 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 Ok. Allô. Ouais, salut Dooms, comment tu vas? C'est Kyle à l'appareil. Ça va. Alors, ça, ça va, fait quoi de danser le Kachu Kachu alors qu'on est soi-disant un artiste international et de réputé et de renommée? Écoute, je respecte tout artiste, le Kachu Kachu est un art, je respecte cet art, je ne vois pas de quoi tu parles. Dooms, moi je vais dire un truc. T'es encore trop un gamin. Et je vais dire la vérité, non, hein. Non, tu non, as choisi non. le mauvais côté. Si quoi t'as envie de danser, hey, si t'as envie de danser le Kachu Kachu tous les jours, te faire humilier avec Santana, soit. Maintenant, moi je vais dire un truc. C'est pas avec Santana que tu iras faire des feats, ok mon pote? Écoute, Essaye même pas de chanter. C'est toi qui décides, mon pote. Mais ça c'est moi qui carré les feats de toute façon, c'est pas vous. Quoi? Écoute, ah, donc moi je vais te dire un truc. Ok, ok, y'a pas de galère. Non, attends, laisse-moi te dire un truc. Je préfère danser le Kachu Kachu avec de l'honneur que être avec toi dans le dans le Eh, tu sais quoi, va bien. Eh, toi, tu sais quoi? Eh, va bien frotter les pieds de Santana, toi. Quoi? Adjust, Grooms. Ah, ok. Eh, fit, tu peux te le mettre là où tu penses. Fais gaffe, il y a 64 qui t'attendent dans ta boîte aux lettres de 1. Eh, tu vois. Putain, qu'est-ce qu'il est con, lui. Complètement con, Dooms. Eh, Dooms, de toute façon, j'ai toujours su qu'il était bon qu'à la musique, tu vois. Dooms, il est bon en musique. Et c'est tout, et voilà quoi, c'est tout, tu vois. Et il est bon quoi, il sait chanter quoi. Il chante bien, Dooms. Par contre, ouais, c'était une rêve, genre je préfère vivre dans le honneur que dans le déshonneur. Je devais aller poser la caisse chez le boss, les gars. Et ensuite, tout simplement, pour ce finish aujourd'hui, on va pas faire sur du Kyle qui court, mais sur du Kyle dans la voiture du commandant. Kyle winner, Kyle vainqueur aujourd'hui, les gars. Il a été coatesque notre Kyle national aujourd'hui. Je compte sur vous les gars pour venir sur Discord. Pour débattre. Je discute HRP, donnez vos avis, donnez vos ressentis, donnez vos opinions aussi. Ça m'intéresse de ouf. Que dire d'autre? Encore une masterclass aujourd'hui pour Minisous. On les enchaîne. Vive LSC, vive Minisous. Et on est bon pour aujourd'hui, hein.